Et bonsoir à tous, bonsoir tout Et le bonsoir. monde. J'espère que vous allez bien ce soir. Bonsoir à toi Nozuruz, bonsoir à toi Choukoy, bonsoir à toi Xénon, bonsoir à ceux qui nous rejoignent également sur, euh, je vais y arriver sur Twitch. Également sur Kik. Et ce nous regardons en replay. Également en podcast. D'ailleurs, petit changement. Tiens, je ferai peut-être une annonce pour ceux qui, cool. qui regardent les lives en podcast sur Spotify. J'essaie de modifier un peu la façon de diffuser les lives podcast sur Spotify. Je pense que je vais faire trois podcasts maintenant. Je vais faire un podcast qui va vraiment être l'info de frisbee quand vous avez la news sur Star Citizen et tout. Donc, ça sera vraiment le podcast de 30-40 minutes. Après, le podcast sur l'actualité SF, du coup, directement que je fais. Et le podcast sur les chroniques de l'air. Plutôt que de vous mettre un podcast sur Spotify, euh, le podcast et tout qui fait 2h40 qui est imbouffable. Je pense que d'avoir trois petits donc, podcasts oui. ce sera mieux donc du coup, comme ça, ça permettra pas pousse, de... Hein. Ça, ça ça permet permet... de cibler direct ce que les gens veulent. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, exactement. ouais, parce que c'est vrai que le problème qu'il y a sur Spotify, c'est que du coup, sur Spotify en fait, souvent bah, tu peux pas, t'as pas de chapitrage sur la partie audio. Par contre, j'ai découvert un truc qui est assez rigolo c'est que vous allez voir, à Spotify ils ont inventé ce qu'on appelle les podcasts vidéo. <laughs> Genre, les mecs, ils ah, sont... mais quelle bonne idée! On, on va prendre du son, on va mettre de l'image et puis on va faire bouger les gens. Ça va faire un truc, voilà. ça va faire de la vidéo. Va... ouais C'est du génie. Ouais, sauf qu'en fait, ça dans les podcasts vidéo, j'ai vu, Jean-Baptiste Chaud, pour ceux qui connaissent, qui, euh, qui font ça. Et bonsoir à toi, Lordine, euh, qui fait ça, Jean-Baptiste Chaud. Ils font des podcasts vidéo sur Spotify. J'ai découvert que les podcasts vidéo sur Spotify, on peut les chapitrer. Bon, j'ai pas vocation à faire des podcasts vidéo, je vois pas trop l'intérêt. Et salut à toi, Liwen, comment vas-tu euh, J'ai pas vocation à faire des podcasts vidéo sur Spotify parce que je fais déjà des, des lives sur YouTube. Et par contre, de vous vraiment, de vous mettre trois podcasts plutôt qu'un seul de 2h40 sur Spotify, je pense que ça pourrait être plus sympa et plus digeste. Donc voilà pour la petite info comme ça, à la volée, un petit changement que je vais essayer de faire au fur et à mesure. Et ah, vous inquiétez ouais. pas, aussi, il y aura de plus en plus d'émissions, comme je vous l'avais dit, euh, live, tout ça, etc., voire éventuellement débat. Je vous en dis pas plus, on est en train de préparer une émission la prochaine, euh, notamment sur, la partie, euh, sur une partie de débat, il y en aura une fois par mois. Apparemment, je... on serait payé. <laughs> <Voilà. C 'est... rire> C'est ça, le débat ça va être... En On paye fait... un... ton enfin les, les chroniqueurs les sur les chroniqueurs émissions. <laughs> Mais du coup, pour revenir, bienvenue. bonsoir ouais. à toi, bon, pour revenir à l'émission, du coup, je vous rappelle un petit peu l'objectif de cette émission, comme chaque dimanche, c'est de débriefer à la fois l'actualité de la science-fiction, de la fantasy, et vous allez voir aussi, petit élargissement aussi, on va parler un peu de fantastique ce soir, une petite oh. news là-dessus, euh, comme ça on aura vraiment fait le panel complet science-fiction, fantasy, fantastique, euh, où je vais vous débriefer les films, tout ça, etc., les jeux vidéo euh, que j'ai un petit peu trouvé, des news intéressantes, et on a évidemment Frisbee ce soir qui va nous parler euh, de Star Citizen, des news sur Star Citizen. et malheureusement comme vous le voyez ce soir il n'y a pas la chronique de l'herbe voilà il n'est pas là il n'est pas dispo il, il, il sera, sera là ring. vous inquiétez pas il sera là le week-end prochain <laughs> donc, euh, <laughs> vous inquiétez pas il y aura sa chronique qui reviendra du coup directement et puis euh, sachez évidemment qu'en fin d'émission vous pouvez retrouver ce euh, live en replay chapitré évidemment sur YouTube donc à ce moment-là faites-vous plaisir euh, bah du coup ce que je vous propose c'est passer tout de suite à l'actualité de Star Citizen Vas-y, tu as l'antenne. C'est le moment de parler de la chronique Star Citizen. Aïe, 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 c'est la chronique que vous adorez, j'espère. Euh, du coup, on va parler de. Alors, moi j'ai le. de oh merde, j'ai une Star Citizen qui s'est avancée depuis tout à l'heure. Voilà. <laughs> on va parler un petit peu de l'actu euh, Star Citizen comme, comme, comme chaque semaine. Hein. Et comme chaque semaine, elle est bien remplie. <laughs> comme chaque semaine en ce moment, elle est bien remplie. On va essayer de passer vite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors, on va très rapidement parler évidemment de l'Event Overdrive qui, on le rappelle, est là depuis maintenant presque un mois. maintenant quasiment. Donc, c'est la phase euh, 3. Oh, je si je dis pas de bêtises, il euh, y a je eu sens. les bunkers, il y a eu du fight spatial. Et il y a eu à nouveau première. du fight spatial. Donc, ouais, c'est la troisième sur six, normalement, okay. si on compte la grande finale. Euh, donc, on le rappelle, c'est l'event qui est censé euh, voilà être. Euh, qui précède l'Invictus de cette année. Donc, qui aura lieu très certainement au mois de mai, comme d'habitude. Juin, mai, fin mai. Et donc, cette semaine, phase 3, bagarre dans l'espace, euh, en plusieurs, en cinq étapes, comme d'habitude. Voilà, donc, n'hésitez pas à aller faire cet euh, event, si jamais vous souhaitez. Hein. On le rappelle, qui a à la clé. Un upgrade du F7 MK2 vers le F7A gratuit pour ceux qui possèdent évidemment le F7 MK2. Voilà. Ouais, pas <laughs> pour ceux qui complètent toutes les missions. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça cible pas mal les personnes. Mais, <rire> 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 mais voilà, si jamais vous avez le, le, le F7 MK2 et que vous souhaitez passer sur un F7A pour le fun, et ben vous pouvez juste en faisant les missions. Voilà, c'est gratuit. Euh, deuxième actu de la semaine, on va parler d'Inside Star Citizen, qui est lié directement à ce qu'on va parler juste après la mise à jour 323. Parce ça, on va vite passer là-dessus. Euh, qui nous ont parlé des HUD, des HUD, comme vous voulez, euh, holographique, euh, euh, je ne sais pas quoi, display, euh, où on va euh, avoir énormément de changements là-dessus en 3.23, on sait maintenant 3.23 commence à être aussi longue que, euh, <laughs> que toutes les mises à jour qu'on a eues jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire presque. <laughs> Et donc on va avoir ce gros changement graphique, comme vous pouvez le voir sur votre écran, à l'instant on a vraiment la... La diff qui se fait. Alors désolé, hein, nos chers amis qui sont évidemment en stream. Et on notera aussi qu'ils ont habilement euh, glissé. Alors vous, là, ce sera que ceux qui sont sur la live. Je suis désolé. Ils ont habilement glissé la différence au niveau de l'upscaling et au niveau des détails graphiques. Regardez bien cette image. Regardez bien les ombres. Regardez bien. Concentrez-vous aussi par exemple sur le palmier qui est à droite ici. Voilà. N'hésitez pas à mémoriser vraiment. Faites un screenshot dans votre tête. Et on va passer sur la nouvelle image. Hop. Vous voyez oh ouais, la diff. Ah, oh, il y a plus de profondeur. Vous quoi. Voilà, voilà on est passé si vraiment sur, euh, sur l'upscaling qui est ajouté à la 3.23. On, on en a déjà parlé, il me semble, hein, ouais. avec le DLSS notamment qui va arriver, le CIJ-TSR, euh, le TSR tout court. Vous aurez la possibilité de choisir entre un équilibrage plutôt performance, plutôt qualité, euh, en fonction de votre performance PC, de votre config. Et il faut dire que ça rend très bien. On le remet encore une fois éventuellement pour ceux qui euh, n'ont pas trop fait gaffe. Euh, mais voilà, hein. ayant participé du coup à la 3.23 Evocati depuis maintenant plusieurs semaines, euh, franchement, c'est une sacrée claque visuelle, cette, cette 3.23. Alors, ça marche pas tout le temps, je ne vais pas vous le cacher encore. C'est évocatif, donc c'est normal. Mais il y a encore pas mal de soucis à droite à gauche hein, sur, sur tout ça. Pas mal de bugs visuels euh, dans les villes, notamment. Des fois, les choses un peu compliquées à animer euh, font que ça lag pas mal. Euh, je fais notamment référence aux, aux feuilles d'arbres qui sont à horizon, qui ont tendance à euh, tuer <laughs> les configs <laughs> sur place. <laughs> Allez, les feuilles, c'est euh, toujours compliqué dans un jeu vidéo. Ouais. Hein. Ça ouais. fait vraiment beaucoup de problèmes. Ouais. Mais, mais voilà. Et donc, on a du coup tous ces nouveaux HUD qui sont accompagnés euh, dans cette meilleure 3.23. Et qui sont incroyables, comme vous pouvez le voir, un affichage dynamique du texte. On en a déjà vu un petit peu la couleur, à la season Con, euh, plus d'infos intéressantes. Et il nous parle dans cette insight star de cette volonté de vouloir faire vraiment euh, des lentilles et un casque. Voilà, c'est vraiment deux choses séparées. C'est-à-dire que lorsque vous enlevez le casque, vous aurez en quelque sorte, il est en train d'expliquer, de vous aurez une lentille sur l'œil en fait. C'est d'un point de vue du lore, c'est comme ça qu'on le oui. justifierait. Une lentille sur l'œil qui vous afficherait la mini-map. Et quelques infos importantes comme par exemple votre vie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous enlevez votre okay. casque, vous pouvez voir votre vie, vous pouvez ah, voir les okay, infos qui en, en haut, point. you have left the channel, machin. Okay. Ils et justifier euh, l'affichage en fait. C'est ça, ils veulent justifier l'affichage en fait. sans casque. Donc on va voir tout de suite la comparaison. Hop Ça, c'est l'affichage lentille. D'accord. Alors je vais vous le remettre en, en format vidéo. Affichage lentille, comme vous pouvez le voir. Et on va passer sur l'affichage casque. Vous allez voir dans quelques instants la transition qui va se faire. Avec l'apparition d'éléments importants comme par exemple les azimuts Très en cool. haut, okay. nord-sud-est-ouest. À droite, des indications d'inclinaison et de profondeur et le radar en haut à gauche avec évidemment les munitions etc qui apparaissent en bas à droite. Donc on est vraiment sur quelque chose. On essaye de justifier ça hein, encore une fois avec du lore et tout. C'est pas euh... con cool, parce que ça permet de justifier aussi de mettre un casque, tu sais, pour pouvoir se repérer tout ça etc ça et, de... et de une under suite tu vois avec un casque basique, ça... ça peut permettre de le justifier quoi. Exact. C'est pas bête franchement c'est pas bête. Exact. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est euh, c'est quand même très prometteur cette histoire de HUD, la mini-map évidemment qui va être presque révolutionnaire. Alors on sera pas tout de suite à ce qu'on a vu à la Season Con, souvenez-vous là, le mec qui télécharge sur la console euh, toute la map et tout. Je crois que pour le moment, alors du moins à l'état actuel des mises à jour et on n'est pas du tout sur euh, sur ça pour le moment. Est-ce que ça le sera sur la live Honnêtement, je pense pas trop. Je pense qu'on aura d'abord un truc un peu intermédiaire, on va dire en quelque sorte. Où on ne pourra pas nécessairement charger tout de suite tout le terrain. Mais voilà, c'est une mini qui sera déjà pratique pour les nouveaux joueurs, on va dire, pour se sortir notamment de certaines, de certaines zones complexes, comme par exemple les habs, les hôpitaux. C'est pas forcément facile de repérer les ascenseurs. Alors que là, si on repasse dessus, euh, comme vous pouvez le voir, on voit directement en vert hein, les portes auxquelles vous avez accès. En rouge, celles auxquelles vous n'avez pas accès. Voilà, c'est clair, net et précis. Hein, euh, ça, aide, ça aide tout le monde. La Moby Glass, évidemment, autre gros changement de cette mise à jour. Hein, qui d'ailleurs, ils l'ont bien faite sur cette Inside Starsian, puisqu'elle n'est pas, pas droite, comme vous pouvez le voir. Elle est bien. <laughs> Mmh. Elle, est, elle est pas tout à fait droite, bah, dans la p évoqué c'est pas rien, elle est pas droite non plus, mais sauf qu'elle est coupée en deux, donc il manque un peu des, des bouts. Et question euh... de corsaire de voir éventuellement s'il ne pas sur de la VR, c'est vrai quand on regarde cette interface, ça fait un peu interface proof VR, quoi. Fait pour on n'a pas VR. du tout de news côté VR euh, personnellement de notre côté, et... ni d'ailleurs dans les fichiers du jeu, ou ni dans les réglages graphiques ou quoi de, de la 323, mais de toute façon oui, c'est censé être de toute façon, à l'avenir un moment ou un autre euh, un passage dans lequel ils vont devoir euh, passer <laughs> pour pouvoir... Euh, ouais. Avec l'AVR, je pense, ouais. mais ça fera quand même beaucoup, beaucoup de choses à modifier, je pense, pour l'AVR. Ça va être assez compliqué. On verra ce que ça donne. Euh, mais voilà, on a aussi évidemment les fameux dynamiques Crosser. Alors, encore une fois, tous ceux qui sont sur euh, Spotify, euh, désolé. Euh, mais vous avez du coup, voilà, hein, les dynamiques Crosser, le Loot UI. Donc, c'est ce nouvel interface qui vous permet très rapidement, et ça, c'est génial, hein, pour l'avoir essayé vraiment de passer très rapidement d'une arme à une autre. Vous pouvez échanger euh, l'arme que vous avez sur vous avec celle du, du calavre. Juste en un clic, tout mettre dans votre inventaire, tout ranger. Voilà, ça évite de passer par cet inventaire I qui est un peu embêtant. Mais on a quand même la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir switcher, euh, on va dire, de, de cet inventaire i vers l'inventaire loot UI, puisque en haut à droite, pour ceux qui sont sur PC, vous le verrez, euh, vous avez un petit icône en bleu. N'apparaît pas sur la live, quand vous appuyez dessus, en fait, ça vous affiche ce Loot UI euh, qui euh, vous permet directement d'échanger, comme je le disais précédemment, vos items. Donc on reste quand même sur quelque chose de facilement utilisable, ce Loot UI, mais si jamais vous êtes plus familier avec l'autre façon de faire ou que vous avez le temps, eh ben vous pouvez tout simplement switcher de mode et passer sur la deuxième, entre guillemets, euh, ancienne version euh, du Loot UI, euh, de votre inventaire physique, tout simplement et ce sera et ce sera comme vous comme vous le souhaitez et c'est ils mettent les deux ok je pensais que c vraiment qu'ils allaient remplacer en fait le truc les, les deux sont vraiment présents et euh, alors on le rappelle aujourd'hui on passe du tout au tout hein, mais quand vous achetez un item vous passez par votre moby glass c'est un petit peu chiant mmh. quand vous achetez un item physique hein, je reparle hein, pas du tout euh, pas du tout avec euh, pas du tout avec la console hein, vous passez vraiment par cette mobiglass qui vous affiche des informations enfin, utiles on va pas se cacher des fois hein, c'est sympa de savoir la taille d'un truc hein, voilà cette fois-ci, on va passer sur quelque chose de vraiment beaucoup plus sympathique, puisqu'on va avoir un affichage en espèce de réalité augmentée, entre grosses guillemets, qui va apparaître non pas devant votre clavier, mais au-dessus de l'item, comme vous pouvez le voir, avec directement les infos intéressantes, comme le prix, euh, évidemment, l'objet en question, et la possibilité de pouvoir l'acheter en restant appuyé sur B. Bon, je pense qu'ils vont le faire, voilà, transaction complete, hein, vous avez le petit message qui s'affiche en haut, histoire de simplifier les achats d'items comme ça dans les magasins, rendre le truc un peu plus rapide, enfin voilà. C'est... Moi je trouve ça fun, voilà, franchement, ça fait quelques patchs qu'on l'a déjà. Pour acheter de la bouffe et tout, c'est pratique. Vous pouvez tout de suite voir de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça va vous donner comme avantage. Euh, moi je trouve que ça fait partie des trucs cool de Z323. Quality of life, certes, mais franchement, cool. C'est tous ces petits détails hein, qui font que de toute façon, euh, on, est sur des... on est sur des gros patchs. Euh, on continue avec les modifs, les interactions euh, qui seront également modifiées. Alors, on a partiellement eu un début de ça avec ce nouveau système d'interaction citizencon qu'on euh, qu nous a déjà montré avec ce terminé, le F-click. Cette fois-ci, vous appuyez juste une fois sur F et c'est terminé. Il n'y a plus besoin de faire apparaître votre curseur en restant appuyé sur F, euh, puisque vous pouvez simplement utiliser les, les consoles et autres éléments juste en appuyant sur F, comme on va le voir à l'instant avec le personnage. Hop qui loot directement en appuyant sur F et la possibilité, souvenez-vous, de sélectionner une euh, une, euh, une action primaire, une action secondaire mmh. en fonction de ce que un vous raccourcis. souhaitez faire. Exactement, des raccourcis, tout à mort. Et franchement, ça marche pas trop mal. On en arrive du coup à la période concrète, parce que c'était l'Inside Star Citizen, c'est pas forcément très concret. Mmh. On en vient au moment concret de la PTU 3.23 Evocati. On avait un playtest ce week-end qui s'est terminé il y a vraiment 20 minutes, alors à, à alors à, à laquelle on passe cette émission. Euh, et euh, c'était un bon playtest, franchement, soyons honnêtes. C'était un bon playtest, c'était vraiment fun de pouvoir tester ça. Euh, oui, parce que pour vraiment, rappel, es donc tu peux tester ces... oui. ce que vous voyez là à l'avance, qui n'est pas encore accessible pour tout le monde. C'était vraiment fun de pouvoir tester ça. On avait évidemment beaucoup, beaucoup de nouveautés, pas toutes les nouveautés évidemment. Alors la liste est juste ici, on va très rapidement passer sur les points les plus importants. La Bobby Glass et la Star Map étaient là, la nouvelle technologie de VA également, euh, les Dynamic Crosshair euh, ainsi que le Server Crash Recovery. Euh, qui était présent, on le rappelle, hein, technologie qui permet de faire redémarrer les serveurs en 430K, euh, était présent du coup dans le patch et les équipes de CIG attendaient des feedbacks sur ces nouveautés. Euh, les nouveautés par contre qui étaient éventuellement présentes, mais pas toutes, euh, dont les équipes n'attendaient pas de feedback, on avait les master mods qui étaient là, le nouveau système d'interaction euh, et les distribution centers, il me semble que c'est à peu près tout. Euh, ils n'attendaient pas de, de feedback pour ces quelques derniers éléments que je viens de citer. Mais ils étaient quand même présents in-game. Les Freight elevators, tout ça n'était pas présent. Euh, les nouveaux hangars non plus, les hangars persistants non plus. Enfin, voilà. On avait des couches de l'application d'ailleurs qui, euh, qui étaient séparées hein, du reste dans cette mise à jour, on le précise. Euh, et franchement c'était cool à tester, ils ont eu beaucoup de mal à la sortir cette mise à jour, oui, euh, 0, mais c'était franchement sais. cool à tester puisque vraiment il y a même beaucoup de gens qui ont pensé qu'il allait avoir une vague une de cette mise à jour pour ce week-end. Oui. Et moi ça m'a beaucoup fait rigoler quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit putain la vache, nous on est en train de faire des tests, des playtests de 4 heures, parce J'ai tout cas tout, tout à répétition, oui. En <laughs> mais encore à la limite ça ça arrive qu'à ouais. 3.18 par exemple il y avait eu une vague 1 euh, partiellement ouais. non, voilà. mais, ouais. mais là pour le coup on passait ça, ça voudrait dire qu'on on serait passé de playtest de 3-4 heures où on se mange des 30k à répétition ah, hop à veille <laughs> <laughs> oh ouais. voilà so dans deux semaines la mise à jour elle est live moi je vous le dis j'ai des infos j'ai des sources sûres <laughs> c'est pas, pas, pas tombé vrai. du camion <laughs> <laughs> c'est un post-it de Chris Roberts non <laughs> dans trois semaines elle est pas live d'ailleurs ceux qui disent que la mise à jour sera là pour l'Invictus euh, j'ai tendance à dire euh, ouais bah, je euh, commence à douter un peu je sais pas euh, c'est <laughs> courant mai Parce je crois il me semble c'est censé être courant mai alors ouais. après il peut s'en passer des choses hein, franchement en un mois oui, et demi en un mois oui mais voilà mais bon, à l'heure actuelle des choses c'est très compliqué mm. nous on a mangé des, des patchs euh, qui étaient vraiment ah, euh, je ne vais pas dire cassé parce que c'est un peu évocatif mais qui était vraiment difficile à, à jouer on va dire ça comme ça qui était vraiment difficile à jouer on avait beaucoup de 30k beaucoup d'erreurs sur les features beaucoup de problèmes techniques qui empêchaient d'utiliser pleinement les, les features et même les trucs de base euh, et donc c'est vraiment quelque chose de compliqué. Oui. Donc euh, on verra euh, évidemment ce qu'il en est. Il y Chris qui dit non, Chris a promis de livrer à la 323 avant les issues en mai, mais je peux pas le Oui, passer ouais, ils, ont, ils ont promis Pyron en 2020 aussi. <rire> euh, <rire> coup, euh, du coup c'est vrai que cette PTU évocative était très compliquée à mettre sur pied. Alors pour ce qui était du playtest là, qui devait durer plusieurs jours, euh, ils devaient initialement, on devait initialement avoir un patch mercredi soir. Euh, autour de cette mise à jour. Alors on s'attendait tous à avoir un playtest à nouveau de 3 ou 4 heures. Euh, mais euh, ils nous ont dit le soir, même le mercredi soir, que c'était mort parce qu'ils avaient trop de problèmes à gérer avec le build et qu'ils ne pouvaient pas nous le sortir. Pour rappel, d'un build, c'est un patch, c'est la même chose. Euh, pour la faire courte. Jeudi. Du coup, ils nous ont dit, bah les gars, va, puisque c'est comme ça, puisqu'on a raté hier mercredi, on va vous faire un playtest tout le week-end, vendredi, puisque c'est férié aux US, on le rappelle, euh, vendredi, samedi, dimanche, lundi, puisque c'est également férié lundi aux US. Et donc, ça fait quatre jours de playtest, où les gars, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur la 323 et nous récupérer un maximum de données, un maximum de data pour analyser ça derrière et, euh, et réparer les soucis. Et jeudi soir... <laughs> roulement de tambour à 23h euh, un truc comme ça ils nous disent les gars c'est mort le patch il est pété on peut pas vous le sortir c'est la merde euh, le patch est juste un jouable vous avez, on a des, des serveurs deadlock pour la faire court des problèmes de serveurs qui font que c'est juste un jouable pour tous les gameplay on peut pas vous le sortir mais on va pas remettre ça la semaine prochaine on voit ce qu'on peut faire en interne et on vous tient au courant donc la nuit euh, en France du euh, jeudi à vendredi se passe la journée aux US euh, de vendredi, euh, enfin de, de jeudi plutôt, se passe et le début de nuit, quand on a des infos qui nous disent que bon bah voilà, les équipes, euh, certaines équipes de la Live QA, la Quality Assurance, euh, l'assurance la, qualité euh, live, l'équipe qui gère la stabilité des patchs pour la faire très courte, euh, sont restées volontairement euh, au studio toute la nuit et également sur le vendredi férié pour euh, finir le build, trouver un build ou des builds. Qui marche <laughs> avec cette mise à jour 3.23 et qui marche sur le long terme parce que le but c'était pas de faire un prétest de 3 heures, on le rappelle. Et donc c'est vendredi midi qu'on nous dit ok les gars, on a trouvé deux builds, on va essayer de les faire fonctionner, on va essayer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et on essaie de vous sortir ça peut-être vendredi soir du coup euh, en... en France, euh, vendredi soir en France pour peut-être que vous ayez ça du coup samedi, dimanche et lundi peut-être éventuellement. Donc euh, voilà, la journée du vendredi se passe, etc. Le soir arrive, rien. La nuit arrive, plus d'une heure du matin. On a les premières infos en disant Ok, ça y est, enfin, le live QI validé le patch. Euh, ultra compliqué, euh, on, on s'en sort pas, mais, mais ça va aller. 2h30 du mat', le patch passe en, en green line, comme on dit, et est rendu disponible aux évocatifs. Et on a enfin pu commencer à le tester samedi matin euh, à. Bah, 2h30 du matin, hein, du coup, euh, et voilà. Ils ont eu du mal à sortir celui-là, hein. vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Clairement, euh, comme, comme tu dis, euh, Liwen Li Wen, pardon, je, si je déclame ton nom, ça a oui. crunché, <laughs> oui, euh, euh, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe, des choses, à mon avis, évidentes et super simples à réparer, qu'ils n'ont pas pris le temps de réparer parce qu'ils voulaient juste mettre le patch en, en place. Donc, mais, mais je dis pas ça d'un point de vue méchant, hein, au contraire, <laughs> euh, à titre d'exemple, euh, vous savez, le, le chat actuel. Sur Star Citizen, hein, c'est ce truc à gauche là hein, qui s'affiche, euh, qui va changer évidemment en, en 323. On avait un magnifique euh, carré euh, avec euh, une petite barre de texte pour écrire, machin, voilà, hein, tout, tout beau tout neuf. Le truc ne marchait juste pas <laughs> et on ne pouvait même pas l'enlever le, en appuyant sur F12. Alors, je me, alors que je me dis, à mon avis, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Hein. <laughs> euh, virer un truc comme ça euh, en appuyant sur F12, je pense pas que ce soit là. Mm. À la, à, la, à la portée d'un développeur de malade. Et je pense qu'ils ils sont juste battu les couilles de ce truc-là, excusez-moi du terme, et ils sont passés vite sur le reste. Et, oui, <laughs> ils ils sont, sont le euh... Exact. Et du coup, on s'est retrouvé quand même avec un patch qui était franchement bien fonctionnel. Mmh. Et surtout aussi, avec pas mal de nouveautés dont on n'attendait pas nécessairement la présence, comme je disais tout à l'heure, les distribution centers. Euh, une star map et une mobile fonctionnelle, et des créatures. Hein. Alors ça, qu'est-ce qu'on en a entendu parler Je vais pas vous cacher que quand j'ai vu le premier tweet euh, mmh. avec mmh. la vidéo, là, j'y ai pas cru une seule seconde. Hein. Euh, quand j'ai vu le tweet, je me suis dit, ouais, bon d'accord, okay, ils nous font de la com euh, à la com. Enfin, je vois la gueule de la PTU 323, si maintenant il faut qu'ils rajoutent qu rajoute <laughs> des créatures. Les mecs, ils ont passé la nuit entière à essayer de réparer la mise à jour et, la journée, et leur journée fériée. <laughs> Et on leur dit, tu sais, en arrivant à 8h au bureau, ah, vous m'ajoutez les deux créatures là qui sont dans, dans le dossier. Au passage, vous êtes dessus depuis hier, je pense qu'on vous êtes pas assez après. <laughs> je sais pas quel mec de CIAD leur a demandé. Que... mais voilà après est-ce que c'est pas pour répondre aussi un peu au... à ce qu'ils avaient présenté à la CitizenCon c'est où ils ont montré au tout début si, de Star Engine quoi. tu vois 2-3 vaches tout ça etc ils se sont dit bah tiens on va répondre au truc mais du coup ouais, pour répondre à la, à la question de Liwen sur le, sur le crunch en fait, quand on parlait de crunch là c'est il y a effectivement il y a certaines équipes qui on, on va dire c'est plutôt de l'astreinte c'est pas vraiment du crunch comme ce qu'on peut entendre voilà sur des, des studios comme par exemple du Call of tout ça etc où là c'est la totalité des plutôt. équipes qui, euh, qui suent euh, à bec et jusqu'à on crever jusqu'à la moelle. Non là, on va dire c'est plutôt certaines équipes qui ont fait de la parce que là c'est en fait une step technique extrêmement importante pour le pour le jeu et oui, c'est vrai qu'ils auraient pu effectivement attendre une semaine supplémentaire mais c'est là que va dire ils sont il faut, faut qu'ils avancent. C'est une step ils peuvent pas ne pas l'avancer, s'ils la font pas en fait, il y a pas de jeu. Donc ouais, on va dire c'est plus ouais. de la que du pur crunch euh, euh, comme ce qu'on peut l'entendre dans d'autres euh, sur d'autres projets quoi parce qu'en général ils sont ouais, plutôt anti-crunch et... hein, les... les équipes de CIG, ils l'ont dit plusieurs fois d'ailleurs ils disent, euh, nous quand il y a des vacances on pose les vacances, on pose les valises, on va voir ailleurs tout ça etc, mais les mecs sont tellement passionnés que là effectivement quand il faut mettre un coup de collier je pense que les gars euh, ils, ils y vont franchement et je pense qu'ils le font de bonne volonté en fait c'est pas, on n'est pas en train ouais. de leur foutre un couteau sur la gorge ah, tu vas finir ton foutu truc parce que c'est quoi t'es pas payé à la fin du mois enfin, ouais les mecs de chez euh, je sais plus c'est pas euh, chez Call of je sais plus où est-ce que le Quel studio c'est mais ils ont été accusés de ça plusieurs fois et les mecs partait en burnout. Bah il y avait eu, il y avait eu euh... ouais. comment il s'appelle déjà merde. C'est des projets non euh... Red euh... Euh... Cyberpunk. Oui Cyberpunk. Ouais. Euh... <laughs> je sais plus comment il s'appelle le studio. <laughs> euh... Oui c'est des projets Red. Red. Euh... Projected. Projected voilà j'ai fait tous les, <laughs> j'ai fait tous les mots pas dans le bon sens. Mais oui on avait du coup euh, pour revenir à ce que je tout à l'heure les créatures qui étaient intégrées au patch. Mm. Euh... Et Honnêtement, euh, bah j'en ai pas vu la couleur. Hein. <laughs> je vais être honnête avec vous. J'ai joué plusieurs joueurs, j'ai pas réussi à en trouver une seule. Euh, pas mal de pas mal de quelques, quelques évocations ont réussi à en trouver, mais ça a très peu liké étonnamment. Ouais. Et c'est pour ça je pense qu'à mon avis, pas grand monde a réussi à tomber dessus puisque je n'ai vu littéralement liké aucune photo des <laughs> Ce qui est rare hein, pour une pt évocative, parce que généralement ça, oui, paraît vrai, une vitesse, ouais, mais, ouais, mais ouais. je n'ai pas vu une seule euh, un seul euh, un seul truc euh, en rapport à, à, avec ça euh, liqué quoi c'est il ouais, faudra voir ce qu'on va faire euh, avec et tout etc le seul c truc vraiment... ouais le seul truc que j'ai vu passer euh, c'est vraiment hein, une photo en interne euh, dans le dans le discord Evo français d'un mec qui, qui qui nous montrait pour faire la description d'image de hein, qui nous montrait voilà bon, peut-être une dizaine ou une quinzaine de de Maroc, en l'occurrence, non, de Copion, pardon, mm. euh, qui, euh, qui l'avait buté aux alentours de Ghost Hollow. Euh, que, du coup, je suis allé lui demander où c'est qu'il les a trouvés, parce que moi aussi j'étais à la recherche des créatures. <laughs> Et euh, dire que la, stabilité... Clair, bah. la stabilité de la, de la mage, le, le, les... certains éléments handicapants ont fait que c'était vraiment compliqué d'aller en trouver, puisqu'on pouvait pas spawner à New Mobage, on pouvait pas spawner à Rea 18, euh, on pouvait pas spawner à Horizon. Donc, euh, c'était vraiment compliqué. Tu étais obligé de choisir vraiment leur ville si vous voulez, être tranquille. Mm. Et encore! <laughs> euh, puisque Aria 18 on avait des problèmes, si tu lançais ta mobiglass, euh, le client crachait. Mmh. Donc t'avais ton jeu qui se fermait, pour ceux qui ne pas trop. Euh, Microtech, la TC fonctionnait pas. Euh, Horizon, on avait des énormes bugs visuels avec le DLSS. Vous aviez, vous aviez vraiment des gros flash blancs énormes qui venaient mmh. genre grenade flash pour ceux qui voyaient sur CSGO. <laughs> <laughs> C'était vraiment ça, vous arracher les yeux. Choukoy qui en euh... peut plus, qui dit y a sont où les vaches Tu veux tirer sur les vaches, Choukoy Mais ça va finir comme ça. Hein, quand il y a des animaux, tout le monde va, va, va tirer dessus comme des tarés. Je, je sens Niergo comme une maison. quoi Sauf, si, sauf ouais. si tu te fais aggro par un gros yeti qui te fout une baffe et que tu passes à 4 km et que ça devient genre le truc a pas buter, je... si tu fous des animaux ou des vaches, à mon avis, euh, si tu mets... Je sais pas s'ils si ont prévu genre de mettre de la crime stat ou de te mettre des pénalités si tu tires sur des, tires sur des animaux, euh, machin, etc. Et tout, euh, pour éviter que, bah, mec, ça finisse en charnier, quoi. Parce on connaît les joueurs, hein. Bon, c'est facile de tirer sur une pauvre vache qui arrive je vais de l'espace au tractor pour gagner mon futur hangar. <laughs> ouais, tu vas les en payer tu vas les mettre dans un coin, c'est ça que... Ouais, Exactement. voilà, bref. <laughs> pas... Et puis, euh, alors, la, la, petite mieux, que je la petite anecdote, Théo, que je voulais raconter avant de partir, euh, parce que je pense qu'on a fait le tour. Euh... En fait, on avait jusqu'à maintenant une indication qui était de ne surtout pas aller dans les, dans les distribution centers. Ils étaient présents dans le patch, mais n'y allez pas, les gars, vous allez nous générer des 30k serveurs à la, à la chaîne. Euh, en fait, c'était... Je sais pas pourquoi. Et donc, ce patch sort, et moi, je demande directement au gars de CIG, Tchatevo, euh, je leur demande, est-ce qu'on est qu peut y aller sur les distribution centers Est-ce que ça va faire crash les serveurs Ou est-ce qu'on reste comme avant et on n'y va pas Et euh, j'ai pas eu de réponse. Donc, généralement, quand tu te réponds pas, ça veut dire que c'est bon. Parce que généralement, quand il y a un truc qui va pas et qui leur va pas, ils te répondent direct. Euh, non, non. Mmh. Mais comme ils répondent pas tout à tout le monde, bah, ils, voilà. juste pour rappel distribution centers, parce que c'est l'espèce euh... de gros bunker de les cybersynthèse là. Pour, voilà. euh, pour imager, c'est un peu comme bunkers. ce que vous avez sur du Gen 9 Fallon Order, les espèces des gros bunkers où vous pouvez descendre. Enfin, plus tard, on pourra descendre en sous-sol. Pour l'instant, ça va être que le, que le dessus. Exact. Mais c'est des gros trucs qui sont quand même assez impressionnants. Quoi. Voilà, ouais. donc pour ceux qui ne veulent pas... Hein, bah, pour, ces... pour juste pour info, Wen, en fait, les évocatistes, tu veux, c'est des, des joueurs qui sont euh, soumis à accord de confidentialité. Mais en fait, c'est vraiment des testeurs un peu plus avancés. Donc, en règle générale, enfin, tu euh... m'arrêtes si je me trompe, Frisbee, mais en règle générale... Côté vocati, quand les devs donnent en fait un avis ou qu'ils disent faites-ci ou faites ça, c'est plutôt suivi quoi. Alors, euh, Quand tu demandes à des, des joueurs sur le PU euh, qui, qui ne sont, euh, sont pas soumis à accord de confidentialité, tu leur dis fais pas ci, bah, ils y vont. <laughs> c'est à peu près ça. ça. Euh... C'est euh, Respecté par les coups, joueurs, ouais. ça. <laughs> oui, très respecté quand même. Euh, bah, la preuve, hein, ça, on, on, on regarde Sketchpad des là. créatures. On... Aucun, aucun, screen, aucun screenshot des créatures n'est passé. Pour le coup, on peut dire que la mission est réussie. Mmh. <laughs> euh, mais voilà. Après, on a le droit d'en parler. Hein, comme on le dit, depuis peu de oui. temps, on a le droit d'évoquer comme ça autant les features. Avant, on pouvait vraiment pas, pas dire grand-chose, oui, mais te 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 quand marier, quand même un petit peu, peu en soum-soum. Mais là, maintenant, on peut vraiment en parler beaucoup de choses et même montrer un petit peu des screenshots. Alors, pas de la PTB Vocati, évidemment, mais illustrer nos propos avec ce qu'ils nous montrent dans les Insights Artisans, dans la Season Con, etc., et donc voilà, les underground facilities, c'est ces énormes trucs pour ceux qui ne voyaient pas, et donc je continue mon anecdote qui était de, voilà, il nous avait dit au début, hein, faites gaffe, ça, peut faire, ça, ça va te faire 30k les serveurs en boucle, n'y allez pas. Dernier patch, pas de nouvelles à ce sujet, donc je me dis, bah, let's go, on peut y aller. J'y vais, comme par hasard, je me plante devant le truc, le serveur est 30k, donc... Euh... Je me dis, eh ça y est, je suis viré, de chez c'est ah, <laughs> Mais je me, je me dis, dis c'est je... fini. <laughs> mais au moins, j'y ai pensé. Mais je sais, c'est peut-être un hasard, c'est possible, hein, parce qu'ils nous ont rien dit dans le patch note. Euh, j'ai redemandé au moment où j'ai eu la 30k, parce que du coup, les gens se plaignent dans le chat en disant, oh non, le serveur est, la 30K. est à 30k. On 100 personnes qui gueulent sur le chat des <laughs> euh, Parce que voilà, on a, on a la 30k à couvrir. Hein, donc on a un petit message hein, qui nous dit d'attendre quelques minutes, le serveur va repartir. Et en maximum 5 minutes, grand maximum 5 minutes, c'est reparti. Mais franchement, ça met moins de temps que ça. Euh, et là, le truc, c'est que vraiment, j'étais devant euh, 30k. Donc les gens disaient, oh non, ça a 30k et tout. Puis d'un coup, les gens, au bout de deux minutes, disent en chat, ah, ça y est, c'est reparti. 35 secondes après, oh non, les gars, ça a re-30k. Et puis, tu et tu bon, hein. de jouer, tu fais, bon, bah, bon, les gars. Ouais. <laughs> Et moi j'étais toujours en train d'attendre devant le truc en 34 un puis sur mon téléphone en attendant. Et, et moi j'étais en train d'attendre devant le bazar en 34 puis une demi-heure, je fais putain mais Enfin une demi-heure, j'exagère depuis 5 10 minutes et je fais putain la vache mais moi je suis jamais sorti de la 34 les gars. Pourquoi comment ils sont eux comment ils sont sortis déjà Et là j'ai repensé au truc, j'ai oh merde. Donc j'ai exit tout menu et... et derrière plus personne s'est plein de 30k avec le serveur 10. <laughs> Mais bon, euh, voilà, donc. Euh... Mais voilà, c'était pour l'anecdote euh, sympa des Distribution centers c'était rigolo. Euh... Donc, oui, <laughs> donc il voilà, donc y a mais, encore mais... beaucoup de boulot avant d'avoir une 3.23 qui soit finalisée, qui soit en PTU. Mais ouais. euh, j'allais dire, je pense qu'à mon avis, ça, va, ça risque d'être commun à, toutes les, à tous les tous J'en profite vite fait, euh, si jamais il y a des gens qui ont des questions sur la mise à jour, de trucs, mmh. sur des trucs précis, parce que là j'évoquais vraiment largement la 3.23, mais s'il y en a qu'on ait des questions sur des trucs précis, peut-être de la 3.23, on peut éventuellement en parler oui, si ouais. vous voulez. Mais du coup comme je disais en fait je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir s'habituer qui va être régulier parce que je sais plus un des devs qui avait précisé euh, c'était euh, comment il s'appelle euh, Richard Tyrer qui précisait que les prochains patchs allaient être de plus en plus conséquents que ceux de la 3.23 donc ça veut dire que je pense qu'à mon avis les phases Evo vont être beaucoup plus longues et je suis même en train de me demander d'ailleurs si la phase PTU va pas être aussi longue pour qu'il soit sûr qu'ils corrige tous les bugs, toutes les merdes, tout ça, etc., avant qu'on est sur la live. J'aurais bien franchement un bon mois de, 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 de phase EVO, un bon mois de PTU à chaque patch maintenant, s'ils sont voir, vraiment mais... aussi conséquents que ça, parce que enfin, ça, ça demande du gros goût patches, hein. quand même tout ça. Quoi. Ah, sur l'eau, oui, Shukoi, où est-ce Alors l'eau, c'est vrai qu'on avait une nouvelle simulation de l'eau, effectivement, qui était intégrée à la 3.23, on n'était pas du tout, alors pas du tout, sur la, <laughs> sur la simulation d'eau qu'on a à la Season Con, hein. je vous le dis direct, hein. c'était vraiment sur, en fait, quelque chose qui venait alors, comment expliquer simplement Alors, pour ceux qui ne savent pas, un hein, lot, de toute façon, dans les jeux vidéo, c'est généré, on va dire, par des. Euh, on va dire, par des. Des shaders. Ouais, des shaders en mouvement. Mmh. Et en gros, avec cette mise à jour, on avait la possibilité, en fait, de régler la quantité de. Disons, de, de vagues visibles, si on simplifie hein, grandement, de la quantité de shaders d'eau visible, Et donc, vous pouviez choisir, en fait, dans les réglages. Entre très peu de qualité d'eau, de, auquel cas vous aviez quelque chose qui était à peu près comme avant, ou alors un truc en very high, auquel cas vous aviez un, une simulation d'eau un petit peu plus réaliste. On était loin, de chez loin. De la, de la CitizenCon, de ce qu'on nous a montré. était juste sur ce qu'on a aujourd'hui, mais en un petit peu plus détaillé. Avec quelques petits détails supplémentaires, genre des apparitions d'écume sur les bords, mmh. euh, ou encore des reflets, surtout avec le DLSS et tout le bordel, des reflets d'eau qui étaient un peu plus, un peu plus euh, beaux, clairement, si vous mettiez le truc en verrière. Mais ça avait vraiment tendance à flinguer les perles, je ne vais pas vous le cacher. Et pour l'anecdote, à nouveau, euh, j'ai fait un petit screenshot au bord de l'eau euh, à, à un moment donné, et puis en, en, en partant, je me suis dit, tiens, je vais essayer de coller une balle dans l'eau. J'avais mon pistolet, quoi. Je tire, pour, pour, pour la blague, je, je tire une balle dans l'eau, mon jeu il crache. Littéralement. Alors, je ne pense pas qu'il y avait d'animation derrière, mais ça m'a fait rire. Je pense que c'est un hasard, mais, mais parce que on, les jeux crachaient beaucoup. Je pense que c'est un ouais. hasard que ça arrive comme ça, mais c'était vraiment très drôle. J'ai vraiment fait. Piou oui. je jeu direct. C'est <laughs> efficace, hein, c'est un test. Et puis après tu fais ton petit tour de test. Puis tirer une balle, ça crache. <laughs> Est-ce que t'as testé d'éclairer l'eau avec les vaisseaux Alors euh... oui et non, oui parce que je suis allé sur des planètes où il y avait de l'eau de nuit et ça m'a pas sauté aux yeux. Euh, la beauté du truc, donc je pense que c'est pas du tout comme à la season con, encore une fois. Et sur on les 27, rends, sur Twitch, tu avais testé le, le testé le FSR. Ouais. Alors, oui, j'ai testé le FSR, et pour moi, c'est l'un des deux upscaling avec le DLSS qui fait laguer le plus <laughs> et qui n'apporte pas de grosses différences, je trouve, personnellement. Bah, euh, j'ai essayé les trois. Le, le CAG TSR, euh, le CAG, euh... je mélange tout, putain, le CAG FSR, pardon, euh, Et euh, effectivement euh, fait laguer pas mal. Euh, J'ai essayé un peu dans toutes les configurations, euh, performance-qualité, euh, balance... Comme... Euh... T'as quoi comme carte une NVIDIA ou une... J'ai une, une RTX 4060. Ah d'accord, ok. Donc ça serait plus le euh, DLSS, je crois, euh... parce que FSR, c'est pas ça. pour AMD, je crois. Normalement, on est plutôt sur... Ouais. Et surtout, ouais. le DLSS est plus adapté avec NVIDIA. Donc moi, je suis surtout parti là-dessus, sur un DLSS en, en balance. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas parti qualité ni performance entre les deux et c'était franchement trop, toujours aussi bien euh, à jouer et assez, et assez stable. Je ne vais pas vous cacher. Euh, mais voilà, le FSR non, c'est pas. Enfin, j'ai testé, mais personnellement avec ma config, pas quelque chose d'exceptionnel. Voilà, en l'état actuel de la 323, on verra ce que ça donne plus tard. Euh, Est-ce que dans la 323, il y a toujours les bunkers instanciés entre parenthèses identiques euh, Alors, tu veux dire les, les... Les UGF qu'on a déjà dans le jeu aujourd'hui en, en 3.22, j'imagine Oui, ah, les anciens euh... cœur. Hein. en plus c est, c est, des UGF. C'est ça, ça la question C'est ça la question, oui, ça oui, c'est vraiment des quoi. ajouts supplémentaires, les, les UGF. Ça va euh, pas euh, remplacer, quoi. Oui, oui, les distribution mmh. centers sont vraiment des, des additions. Mais je me suis toujours posé la question euh... d'ailleurs s'ils n'allaient pas un jour faire des, des souterrains supplémentaires parce que tu le vois, l'ascenseur, tu sens qu'il peut descendre un peu plus bas quoi que le ouais. premier sous-sol. Je ne sais pas s'ils ont prévu après, ou on si. On verra comment ça évolue. Mais ouais, mais pas après, eu de après je pense qu'ils qu auront la possibilité de faire, de faire une repasse là-dessus et de les améliorer aussi. Quoi. On verra. Oui. Euh, apparemment, les copions présents dans les grottes, oui, ils sont présents dans les grottes, dans les zones de sable, les zones désertiques, les savanes. Et je crois que c'est tout. Et c'est à peu près la même chose pour les Maroc. Voilà. Ils ah, sont en extérieur. Ils de... sont en extérieur. Hein. Surtout en extérieur. D'accord. Ok. <laughs> Parce que même dans les grottes, c'est plutôt euh, d'ailleurs aux environs des grottes. Parce que j'ai j'en ai retourné au moins deux ou trois des grottes sans jamais trouver de créature. Donc c'est plutôt aux alentours. Euh, mais j'ai pas non plus trouvé de j'ai pas non plus trouvé de... de quoi que ce soit en allant dans des biomes snow, euh, enneigés, euh, désertiques, euh, savane. J'ai rien trouvé vraiment rien rien rien. Donc voilà, j'ai peut-être pas eu de bol. Hein, mais j'ai pas l'impression qu'ils en aient mis beaucoup. Ouais, après les créatures. Bien... On verra. Encore une fois, On voilà. Il euh... qu'ils ont mis et ne sont pas anti-pousse. Moi, seulement... un... <laughs> <C 'est rire> ça me. C'est violent, anti-pousse. Ça avait pas l'air. <laughs> ça avait pas l'air. Ça avait l'air de faire des dégâts par contre, hein, les... les 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 copions et te courir ah ouais derrière très vite. Ouais. Alors ça parlait de de, je dirais, ça parlait de 20 Allez, je dirais. <laughs> tu vas être vingt. Vingt pour par seconde, je dirais, de dégâts infligés. Ah oui, ouais. 20, 20 HP par seconde peut-être. Okay, ouais, ouais. euh, avec, avec une armure. et Mais oui, ça, ça cogne Mais en plus, il court super vite. Hein, donc... <laughs> Apparemment, on m'a dit, euh, faut, 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 ouais, faut avoir une Dragonfly à portée de main. <laughs> euh, combien de FPS serveur en moyenne? Bah, comme sur la live limite pire. Hein. Franchement, on était sur quelque chose comme deux ou 3, hein, pas plus. <laughs> pas vous cacher que là, les serveurs FPS, ça veut vraiment rien dire sur une PTE vocative, c'est toujours la merde. Il <laughs> y a toujours des trucs qui font laguer les, les PC à fond les ballons. Et euh, laguer les cerfs à fond les ballons. donc euh... Le copion qui bouffe les pneus du PTV, j'imagine, ça la jouera sans parti T'inquiète, ils me... vont bientôt mettre des boules. Mais qui roulent euh, sur les des jantes. Des... <laughs> ouais, ça serait tellement drôle. Bon, ça serait drôle, ouais. Enfin, voilà. Écoute, c c fun, quand même des, des bo euh... bonnes ouais. petites news quand même sur tout ça. Ça a quand même bien avancé. Parce que moi, je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop suivi l'actualité les... sur... sur Star Citizen cette Mais semaine. Mais je suis là pour ça. Mais voilà, justement, c'est pour ça que tu es là pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que justement, je voulais épingler. Hein. Oubliez Max pas d'ailleurs. comme ce... vous attend le dimanche <laughs> euh, l'actu la la de, 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 de Frisbee pour Oubliez pas, vous avez les liens d'ailleurs. Vous... Maintenant, je vous les ai mis. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs, plutôt que de vous le mettre directement dans le chat. Je vous le mets au début du chat et en je vous le mets en pas épinglé. Bien, ouais. Voilà, vous l'avez ouais. en épinglé sur YouTube, sur Twitch et sur Kik. Vous avez le lien vers le beacon justement de, de Frisbee ou vous avez le lien vers sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. Donc si vous souhaitez avoir l'actu en temps réel du coup directement sur Star Citizen en plus de l'actualité parce que comme justement t'es Evocati t'as la possibilité d'avoir vraiment des news en primeur et tout n'hésitez pas c'est fait pour ça la chaîne de Frisbee est vraiment là fait pour ça pour... directement pour toute cette partie au niveau de SC il y a de quoi faire en termes de news alors euh... <coughs> ouais ju juste la dernière question pour y répondre oui, l'équilibrage euh, des armes FPS personnellement j'ai pas eu le temps de tester énormément de choses avec donc, je ne pourrais, pourrais pas trop dire. Mais en tout cas, la, la FS9 euh, et toutes les autres armes ont, ont bien les modifications qui ont été apportées, c'est-à-dire euh, les, les, les viseurs, les lances, tout ce bordel, ça marche pas toujours très bien. Mais on sent bien la différence de recul et la différence de, de son aussi de Sound Effect, un petit peu. Euh, mais on est, pour le moment, je pourrais pas trop dire. Encore une fois, qu'est-ce que ça donne L'émission Bunker, était vraiment inutilisable, donc euh, dur à dire c'est Et pas aller dans le bunker pour faire du FPS, c'est compliqué de tester. Bah euh, oui. Tire dessus en compliqué. très beau, On verra ce qu'il en est. Bah normalement, on n'a pas le droit, donc. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai que tu des... m'avais dit ça aussi. Il ouais, des... fait partie du NDA, mais bon. Ouais, c'est parti. partie de. Ah oui, il t'oblige carrément euh, à oui, ne oui. pas tirer. Sauf si te le demande, évidemment. Sauf si. Sauf si, si te le demande ouais. ou sauf si les deux parties sont d'accord. Si tu tires sur quelqu'un sans raison et que le mec arrive à le reporter à. À CIG avec des preuves, t'es dégagé instantanément. Hein. D'accord, ok. Ah ouais. Il n'y a pas de. Ouais, c'est voilà, pour éviter hein. les PK, c'est pour éviter les mecs qui foutent la, la merde et tout ça, etc. Oui. Sur les tests, oui, oui, donc ça paraît C'est vraiment logique, la... Hein. La, seule, la seule mage où tu peux te dire allez, on va se balader sur Pyro et laisser ton vaisseau grand ouvert quand tu te poses. Mmh, c'est <laughs> clair. Tu sais que personne va le prendre, donc voilà. Et puis les gens sont pas là pour ça de toute façon. C'est vrai, être une ambiance, une atmosphère assez particulière, je pense, à mon avis. Est-ce que du coup, quand tu, quand repasses sur la live ou sur le PTU, tu sens pas la diff et tout parce que ça va être un peu plus, familial, tout ça aussi, je suppose, dans les discussions, sans rentrer dans le détail, mais dans l'ambiance générale de discussion, il y a. L'ambiance générale, c'est une chose. alors, je vais pas rentrer dans les détails non plus parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est une certaine ambiance générale, c'est sûr. Il y a une certaine proximité, on va dire, avec les équipes aussi. Euh, donc là en ce moment pour répondre rapidement aux questions on est aussi 2900 évocatifs aux dernières nouvelles. Euh, depuis, le dernier... depuis le dernier justement euh... Euh, comment, euh... Depuis le dernier recrutement de la deux semaines, ouais, on, est, on, est, on est 2900, moi j'étais là du beaucoup, recrutement ouais. d'encore avant, donc c'était il y a un an, presque un an maintenant, c'était en juin 2023. Euh... Et effectivement, il ouais, y a quand même une petite différence entre les... Tu sens bien que c'est pas du tout la même ambiance. Euh, mais ce qui change vraiment le plus, vous imaginez bien, c'est le jeu en lui-même. Euh, quand tu passes de la 3.23, mmh. nouveau HUD, nouveau DLSS, prochain ah oui, serveur ouais. éclaté, et puis deux heures après tu joues sur la live euh, à ouais. faire du, du scrap, euh, y a, y a, y a, ça te prend une claque dans la gueule effectivement. Et ouais, puis drôle. ça va être difficile de le revenir en arrière sur quand t'as oui, vu le nouvel HUD, vraiment, les nouveaux trucs tout euh, ça, etc, ça va être compliqué. Et puis là, il faut donc. vraiment avoir le, le, le cœur solide, moi je, moi je reste pas des heures sur les PT vocatifs parce que je pète un câble au bout d'un moment. Hein. <laughs> <laughs> Après, je sais, tu vas, tu vas là-bas, c'est pour souffrir, hein, vraiment. Oui, oui, bah tu es là pour euh, tester purement. C'est voilà, ça. Ah, oui, de... Ce qu'il faut savoir, c'est que la simple action, déjà de lancer, de loader le, le, le jeu, tu sais déjà que tu vas, tu vas donner des données à C.A.G. Mm. Euh, mais je me dis, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui, qui disent pourquoi est-ce qu'on n'y a pas accès Ils pourraient mettre ça en PTU direct, on n'en parle plus. Ouais, euh, le problème, c'est qu'il euh, y a énormément de gens qui pèteraient un câble. Euh, à cause de ça, donc mm. c'est ouf. Bah, t'es <laughs> pas loin de la, de, ce qui, de la branche qui est fournie par les devs qui eux ont encore pire. Hein, c'est genre limite, c'est même pas censé être jouable en fait en interne. Hein. Bon, du coup, euh... <coughs> ouais. Non, Liwen, et... non, j'ai pas vocation moi de devenir évocatif parce que honnêtement, franchement, c'est Enfin déjà, je retire mon chapeau parce qu'il y a énormément de trucs à tester. Ça demande vraiment, vraiment beaucoup de temps et honnêtement, je suis pas sûr que j'y prendrais du plaisir à le faire. Et euh, donc, je préfère laisser ça à ceux qui ont le temps de le faire et qui, euh, qui veulent s'investir dedans. Moi, ça m'arrive, par contre, il faut savoir que les joueurs ont la possibilité également de faire des retours de bugs, tout ça, etc. Il y a tout un site qui est mis à disposition. Ça m'est arrivé parfois de temps en temps de faire des retours de bugs et de participer un peu, parce que tous les joueurs peuvent le faire. Euh, c'est à disposition, c'est ce qu'on appelle le Issue de Conceal. Euh, mais souvent, non, non, l'a vraiment. Alors, en plus du fait qu'il y avait la notion d'NDA, et moi, pendant un moment, quand je faisais pas mal de contenu sur Star Citizen, c'était un peu fou Tu sais, c'est un peu du style. De... Je, je crois que tu avais eu ce problème-là, pendant un moment, tu savais pas trop ce que tu voulais dire ou pas dire dans les euh... vidéos. Ouais, jusqu'à ce qu'il nous... Ouais, jusqu qu ouais. nous fluidifie un peu plus le truc. Bon soir, équilibre. <laughs> ouais donc maintenant c'est peu c'est un peu plus fluide là-dessus, mais c'est vrai que ouais du coup euh... du coup ouais non ça demande beaucoup de temps. Je sais pas toi par exemple si tu devais donner un peu une ordre d'idée euh, combien de temps tu passes euh, par bon, semaine Franchement honnêtement ça. Euh... ça prend pas tant de temps que ça, j'ai pas te cacher que vraiment c'est... Parce que tu vas pas te faire virer si tu es vraiment inactif quoi. Sauf si ah oui tu restes 3 ans sans rien faire. Euh, non ouais. non, tu vas, tu, vas pas, tu vas pas te faire virer si tu fais Ils rien. Sont pas et puis un... y a, y a, t as, t as... non franchement pas tant que ça parce que et, et vraiment la, 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 as toujours le moyen d'aller tester un moment un autre un patch. Alors oui effectivement il mm. y a des playtests 323 qui tombent à 2 heures du mat qui dure 4 heures, donc euh, voilà de 2h à 6h du matin. C'est le lendemain. Là, voilà. Quand tu bosses le lendemain, c'est mort. Enfin, voilà. C'est franchement occasionnel. Oui. Mais il y a forcément un moment ou un autre où il y a quand même... Comme là, on a eu un playtest week-end, si tu veux. Mm. On a eu un playtest week-end. Donc n'importe qui, sur un samedi-dimanche, je pense, n'importe mm. qui qui n'a pas trop une vie chargée a le temps d'aller se connecter une heure, deux heures, pour, pour, pour juste aller jeter un coup d'œil. Mm. Franchement, voilà. c'est pour ça que je dis que le temps, c'est pas nécessairement un problème euh, pour ça. C'est surtout qu'il faut vraiment être motivé parce que oui, c'est comme dit Shoko, c'est pas... en gros, en fait, tu sais que c'était là pour tester, t'es pas là pour jouer, donc t'es tu sais deux heures, c'est serais... du test, quoi. test quoi. Tu sais vraiment que voilà, tu passes deux heures de jeu où tu fais rien des fois pendant deux heures, hein. <laughs> genre vraiment, tu peux passer deux heures à juste sortir d'horizon, prendre un vaisseau pour aller à Microtech <laughs> et jamais réussir à le faire. Hein. <laughs> ça crache. Euh... Ah, bah, parce que ça 30K, parce que tu as, oui, as, 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 as vraiment des... des notes en fait en interne qui te disent bah tiens, faites ci, faites ça, testez ci, testez ça. Oui, Pas tout le temps, mais effectivement, tu as souvent des indications qui sont données mmh. hein, sur comment utiliser tel truc, quels trucs sont à éviter. Mmh. Euh, voilà, ça arrive effectivement très régulièrement. Mmh. Ok, ouais, donc il enfin, y a quand voilà. même une charte à, à suivre. Donc c'est vrai que du coup, euh, moi pour l'instant c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment intéressé euh, à fond. Mais je tire toujours mon chapeau parce que franchement, honnêtement, euh, vous êtes vraiment les premières personnes qui commencent à, à tester les bulles et tout. Et enfin déjà que nous, quand on se prend la tête et qu'on voit par exemple, euh, <coughs> comment dire, euh, qu'on voit par exemple le bordel que c'est parfois sur la phase de PTU, donc euh, le, ouais. ce qu'on appelle la phase de test avant que tout le monde y ait accès. Les premières vagues c'est l'enfer. Alors vous c'est encore pire quoi. Vous avez pris les plâtres avant nous quoi. Donc euh... donc ouais non non c'est du euh... c'est vraiment du vraiment. Euh... Et merci beaucoup. 1456 merci beaucoup pour l'abonnement de niveau 1 offert et justement c'est ah oui. Sirius27 qui en a profité merci beaucoup à toi pour le sub gift euh, donc voilà donc, je sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions un petit peu avant que Frisbee euh, bah, s'en aille du coup parce qu'il a fini a sa, sa tour, chronique Qui hein. y a encore une question on peut peut-être en prendre une ah, après si vous avez des questions euh, si vous avez vraiment des questions euh, si vous voulez des détails ah, euh, vous... que peut-être peut qu'en message privé on peut donner quelques détails euh, après voilà, vous pouvez aussi aller sur la chaîne vous de Frisbee puis, de toute façon tu vas faire voilà. des lives aussi hein. on se voit bientôt Sois sur la chaîne vous... Directement, tiens, si vous voulez, sur, juste euh, sur Discord parce que, ou sur. Euh, si tu peux peut-être montrer vite fait, tiens, le, le, le beacon, là, parce que justement, le, comme t'as un ouvien, tu m'as dit que t'allais peut-être reprendre les streams, tout ça, etc. Sur. Euh, si tu veux, sur, ouais. Ouais, sur. sur Vas-y, je te laisse la parole si tu veux refaire un petit tour de table oui, par rapport à. C'est juste très brièvement, en fait, juste voilà, je voulais. Pour ce qui est de ma chaîne YouTube, je voulais essayer de re redynamiser un petit peu le truc et passer un petit peu plus sur euh, quelque chose de un peu plus communautaire, on va dire. Parce que là, en ce moment, ça fait, ça fait vraiment juste je passe mes vidéos, puis voilà, bien sûr, je lis des commentaires de temps en temps, évidemment, mais il y a une petite interaction qui manque et, et je trouve ça un petit peu dommage. C'est pour ça que voilà, au travers de ce lien beacon, je vais essayer de relancer un peu le truc, me remettre peut-être sur, sur Twitch incessamment, sous peu. Euh, ça fait déjà plusieurs jours que je suis actif sur sur X, Twitter, tout ça comme vous voulez. Donc je partage très régulièrement un petit peu mes, mes, mes points de vue sur, euh, sur tel ou tel patch évocatif voilà donc des fois c'est juste euh, sans forcément que ce soit dans le leak et on reste dans le voilà la description apparemment ce soir il y a un patch machin je suis allé tester c'était pas mal euh, voilà juste un petit truc un petit peu de discrétion euh, mmh. de, de description euh, de tel ou tel patch mmh. et puis pareil Discord que j'essaye aussi un petit peu de mettre un peu plus en avant euh, euh, voilà pour encore une fois favoriser un peu plus ces échanges euh, vous avez le lien qui go. est épinglé sur chaque chat hein. YouTube Twitch Kick faites-vous plaisir et euh, yes. du coup, vous pouvez aller voir directement les chaînes dédiées euh... Là Dessus, donc du coup, pour les, pour les streams, tu penses euh, commencer à partir de quand à peu près euh... Alors, franchement, j'en sais rien. <laughs> pas encore de Je date actée. Mais... Du tout. Euh, alors, non, alors justement, c'est pour ça qu'il faut que mais... vous folio euh, directement sur sa chaîne Twitch pour savoir quand est-ce qu'il sera en live. <laughs> exact. Ou alors directement sur, sur Twitter. De hein. toute façon, j'en voilà. communiquerai euh, plus d'infos. Ou sur Discord, <laughs> vous serez notifié directement. <rire> Exactement. <rire> ou partout si vous voulez être tranquille. <laughs> Et sur Et la chaîne vous... YouTube enfin, aussi voilà. si vous voulez pas rater les vidéos, forcément. Bah, évidemment. Ouais, mais... Avec la petite cloche, on n'oublie pas. C'est ça, exactement. <laughs> on force peut-être un peu beaucoup, là. Non, ouais, ouais, mais on va peut-être pas arrêter sais... si de nous voulez... embêter avec le Culturation. <laughs> mais bon, hey, si euh, tu fais des news aussi sur SC, donc s'il y en a qui veulent en profiter, bah, allez-y, faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Et bah écoute, en tout cas, bah, merci à ah bah toi voilà. du coup pour, pour, pour l'activité sur, sur Star Citizen. Et puis de toute façon, on se retrouve euh, semaine, week-end prochain pour, pour la suite des et aventures ouais. euh, de la 3.23. Et on saura si, euh, si la 3.23 avance tranquillement, si elle pointe le bout de son nez, euh, si ouais. ça commence un peu plus à se tasser. Mais je pense qu'à mon avis, il y a encore un peu de temps. Et comme on oh, dit on souvent, résilience et faut être patient. Comme je le disais il y a pas longtemps, euh, la semaine dernière, on a vu, et deux semaines, pardon, on a vu un playtest euh, Jump. Non, pas Jump Point, pardon, Tech Preview, Server mmh. Machine, etc. Cette semaine, il n'y a rien, parce que les équipes récupèrent les data, il y a de fortes chances que ça. la semaine prochaine, on ait des nouvelles là-dessus. Alors, est-ce que ce sera directement du Jump Point Je ne pense pas. Moi, je m'attends. je mets mon. Voilà, clipez ça si vous voulez. Je donne mon petit mon petit pari. Je pense qu'on va peut-être avoir effectivement un, un Tech Preview public mmh. avec Pyro et Stanton connectés ensemble sans les ah. Jump Points. Voilà, ça, ça c'est ma petite mieux, théorie. Ça. Ma petite théorie, Server Meshing évidemment. <laughs> euh, alors, est-ce que ah, ce top. sera sous forme de plus, plusieurs serveurs par, enfin euh, plusieurs shards pardon par par système ou mm. euh, voilà, on verra ce qu'il en est, mais, mais je ne serais pas surpris que le week-end prochain on ait un playtest comme ça avec euh, Pyro plus Tanton connectés ensemble euh, sans les jump points mais juste avec le meshing. On verra ce qu'il en est, mais voilà, je, je pose ma petite pièce là-dessus, on verra ce que ça donne, mais je serais pas surpris. Bah écoute, ça serait même top, hein, parce que je t'avoue que c'est vrai que le public, euh, pour, le, pour cette phase PTU, enfin pour Pyro, pour pour on, on avait eu l'occasion de tester juste après la Citizen Code, mais c'est vrai que de au moins pouvoir tester les Jump Points, les Jump, point, jump Gates. Donc pour rappel, hein, Stanton, c'est le système actuel. Vous allez avoir un espèce de trou de verre qui va voir, pouvoir vous permettre de changer de système et de passer sur un nouveau système qui est beaucoup plus grand et tout, qui s'appelle Pyro. Et ça va être la première fois depuis. Euh, la création du jeu que les joueurs pourront transiter d'un système A vers un système B sachant qu'à la base il est censé y avoir une centaine de systèmes que c'est vraiment l'objectif de Star Citizen s'il si passe ce step là bah, c'est gagné euh, le jeu derrière il peut prendre son envol il peut y avoir tout, euh, toutes les technos derrière qu'on veut et toutes les, euh, tout le contenu quoi donc c'est vraiment un step non. extrêmement important pour le projet et euh, là-dessus euh... euh, voilà, on le rappelle rapidement hein, déjà ouais. qui, qui a déjà été validé on peut le dire hein, puisque à bah, côté évocatif on a déjà eu des erreurs oui, euh, moi entre autres du coup <laughs> qui sont passés d'un système un autre à avoir des jump point mm. jump point qui était très comme on le disait plusieurs fois euh, primitif hein. vraiment sur quelque chose de, de, de placeholder pas du tout dans oui, le oui. on était juste pour le côté tech on testait juste la tech oui, <laughs> le design ça, on verra plus tard <laughs> ouais avait... c'était juste un truc euh... enfin c'était voilà. sans, sans les sont les textures machin etc c'est un truc assez moche mais bon ça ça le temps un tunnel euh, voilà comme si vous prenez le tunnel sur la route en hein. même concept oui, <laughs> C'est bien, celle sur la route avec le truc bien gris les, euh, où t'es là, euh, tu t'endors dedans, <laughs> tu prends les murs. Alors, on se borne là, euh, peut-être pas quand même. Vous <laughs> vous endormez pas au volant. Oui, voilà, si c'est vous... ça, vous ouais, si vous endormez <laughs> pas au volant. Et si vous écoutez les podcasts, lancez ça avant de lancer la voiture. En fait. ouais, voilà. Attention, on voilà, va faire la sécurité routière, je ne veux pas être le... responsable d'accidents de... <laughs> de la route en, en écoutant le podcast. Demain, on vous informe des milliers d'accidents à cause d'un podcast sur Spotify. C'est ça, il a été banni Spotify à cause de ça. C'est la fin. Bah voyons. Et ben bah écoute, bah, bah merci bah à toi du coup pour, euh, pour l'émission. Et puis de toute façon on, on se retrouve semaine prochaine pour la suite des abonnés sur Star bien Citizen bien Donc oubliez pas les petits liens du coup qu'il y a directement. Épinglé pour aller bien voir bien sur son contenu. Allez, on passe à la suite. Et bonne semaine à tous, bon stream. Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine. Et du coup, on se retrouve pour la suite euh, des news au niveau de l'actualité euh, science-fiction. Donc ce soir, pas mal de choses à vous parler, à vous présenter. Euh, pour faire dans on va parler euh, de Chrono Odyssey, de Planet Crafter, de Mecha Break, de Transformer DLC, du film Je suis une légende, de Stargate SG-1, de Borderland 4, de Tarship Simulator, et j'ai une petite surprise à la fin. J'essaie de vous faire ma propre débrief sur un film que j'ai été voir tout à l'heure au cinéma en avant-première. Donc du coup, on va d'abord parler notamment de Chrono Odyssey. Donc euh, Chrono Odyssey, il s'agit en fait d'un... MMO d'action, un petit peu genre nouvelle génération qui est développée par le studio N-Pixel. Alors, l'univers du jeu, ça se déroule dans un espèce de monde qui s'appelle Cetera, qui met en scène la lutte des membres d'Y... c'est un prononçable Une organisation spéciale qui est nommé contre 12 dieux et euh, comme vous le voyez ce sont des, euh, des graphismes qui sont assez beaux il y a c'est du Unreal Engine 5 derrière je crois d'ailleurs si je dis pas de bêtises euh, que le jeu a été présenté notamment pendant les, euh, les State of Unreal euh, qui est un petit peu un, une espèce de grosse conférence organisée par euh, par leur, enfin par euh, par Epic donc euh, pour le moteur Unreal Engine et c'est un peu une façon de faire un peu la promo la campagne en fait du moteur de jeu et en même temps ils invitent des développeurs de jeux vidéo pour montrer tout ce que sont tout ce qui est capable de faire le moteur UE5 Directement sur différents jeux qui vont sortir. Alors, l'objectif un petit peu de euh, Chrono Odyssey, c'est que ça propose un vaste monde ouvert qui est justement sans temps de chardement et qui est assez pointu en fait au niveau des détails. Euh, vous avez le monde de Cetera qui sera un petit peu en perpétuel changement et en perpétuel mouvement. Et on rappelle, hein, c'est un MMORPG que hein, je suis en train de vous parler. Et le jeu propose un petit peu des mécanismes de combat d'action dynamique qui sont balisés sur la manipulation du temps. Alors, je serais curieux de savoir comment ils vont faire euh, quand on est, euh, du coup, directement en multijoueur, parce que... Manipulation de temps en multijoueur, ouais, faut voir euh, comment ça se, se découpille là-dessus. C'est-à-dire que, que si tu manipules le temps pour toi, tu manipules aussi pour les autres. Alors, c'est peut-être pendant les phases d'action de combat, genre un peu comme euh, ce qu'on peut avoir sur un... un comment dire un, euh, un... Prince of Persia, où, vous savez, vous pouvez remonter le temps un petit peu. Je sais pas. Là-dessus, je sais pas trop exactement comment ils ont prévu de le faire. Et tu pourras choisir à peu près six classes différentes, que ce sont le, le Snowdorsman, le Ranger, le Sorcerer, le Paladin, le Ber c'est cœur. Et l'assassin, je vous lirai juste après au niveau des, euh, des messages sur le chat. Et vous, ça le jeu va vous offrir un petit peu une personnalisation étendue des personnages, avec une, justement une large gamme d'options, compris le genre, le type de corps, les caractéristiques faciales, les coiffures, les maquillages, les rendu enfin, Vraiment du pur MMO RPG. Et vous avez euh, un espèce de d'artefact qui s'appelle le Chronotector, euh, qui va permettre aux joueurs de stopper le temps autour des monstres ou de rembobiner le temps d'un personnage, permettant un combat plus dynamique. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment Artefact assez dédié. Je pense que c'est l'artefact que l'on voit à ce moment-là directement. Donc ça veut dire que ça sera peut-être sûrement instancié, en fait, tout simplement au niveau du combat. Comme ça, c'est tous les joueurs qui seront à proximité. Ça va créer une espèce de bulle temporelle qui va arrêter le temps directement dans cette bulle et ça ne va pas impacter la totalité du, euh, du jeu parce que sinon, ça sera un petit peu le, le foutoir. Il euh, faut savoir que le jeu proposera pas mal de donjons et euh, de raids et vous pourrez forcément vous associer, comme dans tout bon MMO, pour nettoyer ces euh, donjons et participer aux raids. Alors maintenant, si on revient sur les dernières news en fait, au niveau de Chrono Odyssey, il faut savoir que le jeu est en développement depuis 2018 par les studios N-Pixel. Euh, là, vous avez à peu près une vidéo de, de 4 minutes qui vous montre différents types de gameplay euh, sur différents types d'environnements. Le jeu sera disponible à la fois sur PlayStation 5, sur Xbox Series, en plus de la version évidemment sur PC. Il est développé sur le moteur, alors engine. Euh, et euh, pour l'instant, euh, bah, malheureusement, on n'a pas spécialement de date de sortie euh, par rapport à ça. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de coup de ce jeu. En tout cas, euh, franchement, honnêtement, ça, bah, ça donne plutôt envie. C'est plutôt, plutôt beau, bon, en fait, plutôt joli par rapport à ça. Euh, sur, ce, sur ce petit MMORPG dont je n'avais absolument pas entendu parler. Donc voilà, j'espère qu'au moins la description, ça vous permettra de voir un petit peu plus euh, à quoi vous attendre avec ce petit euh, Chrono Odyssée. Euh, je crois que sur le chat, ça parle avec. Euh... Entre Liwen et Equilibre. <laughs> ah oui, t'en as entendu parler, Mathieu, j'ai bien vu à toi sur le stream, quand es-tu euh... Non, franchement, c'est à voir. Ça, ça serait peut-être éventuellement un, un jeu à vous tester sur la chaîne. Je sais qu'en ce moment, toi, Equilibre, sur ta, sur ta propre chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller le voir, d'ailleurs, Equilibre, en ce moment, t'es en train de faire du... Euh... Je vais pas dire si je fais un petit... Euh... Attends, on va essayer de faire un truc sur, sur Twitch. Est-ce que ça marche si je fais ça Hop. On va faire un petit SO Equilibre. On va voir si ça marche. Ouais, ça marche. Et si je fais un petit SO... Euh, Liwen, parce qu'on a des on a des streamers ce soir qui sont qui sont présents mais qui c'est pas les voir aussi leur contenu dédié. équilibre, je crois qu'il était sur Dragon Dogma 2 en ce moment. Alors, on est un petit bon, on est dans ce style évidemment fantasy, un petit peu fantasy, type un peu médiéval euh, sur, sur Chrono Odyssey, euh, sauf comment sur euh, sur comment dire euh, sur Dragon Dogma 2, on est sur un jeu, alors, on va dire il a un aspect solo et un aspect coop, mais c'est pas un jeu multijoueur MMO hein, comme, comme ce que vous avez avec Chrono Odyssey. Euh, étant donné que c'est Cacao Games pour euh, l'Europe, j'attends de voir le modèle économique. Ah, tu parles pour. Euh... Pour comment dire, pour Chrono Tiger, enfin pour, pour, pour celui-là, là, pour Chrono, euh, chrono Tiger, c'est ça euh, Je me trompe pas de nom. Euh, non, Chrono et Chrono Tiger, c'est autre chose. Ça <laughs> n'a rien à voir. Euh, ah oui, t'attends de voir, effectivement. Ouais, alors ça, c'est toujours le problème avec les modèles économiques. Alors, j'ai pas trouvé d'infos, notamment sur le modèle économique. Euh, Est-ce que ça va être avec abonnement, sans abonnement Est-ce que derrière, ça va être genre du free-to-play avec des euh, lootbox et ainsi de suite Je sais pas. Je, je sais pas, parce que toi, tu connais, enfin, sur les Cacao Games. Euh, le type de jeu en général qu'ils ont quoi comme type de, de business model là-dessus Oui, c'est par exemple ceux qui t'ont porté à Arkhion sur PC. Ça me dit rien du tout. Mais du coup, c'est quoi leur type de business model habituel J'ai arrivé, est-ce qu'on est sur du free to play Est-ce qu'on est sur de l'abonnement Est-ce qu'on est sur un genre tu l'achètes en one shot et après tu as des DLC Je sais pas trop exactement qu'est-ce qu'ils ont comme type de business model là-dessus. Mais en tout cas, ouais, on est vraiment en ce moment sur ces nouveaux types de nouvelles générations de jeux qui vont chercher leur, leur engine vraiment à fond avec des graphismes assez, euh, assez aboutis. Alors, la question de savoir c'est euh, quel config il va falloir avoir vu que c'est censé sortir sur PS5 et sur Xbox Series. <coughs> si vous avez une config qui est pas trop dégueulasse, pas trop ancienne non plus, ça devrait le faire. Je pense que vous allez pouvoir tenir au niveau des graphismes. Par contre, évidemment, si vous avez prévu de le streamer, je pense qu'il va falloir un petit peu euh, jauger la qualité des textures et des animations et la qualité de l'herbe bah, parce que ça risque de produire pas mal d'artefacts. Parce que je vois la, la qualité et le nombre d'animations qu'il y a au niveau des combats, c'est quand même assez ouf. Quoi. Euh. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit euh, chrono Odyssée. Et maintenant, euh, je vous propose de passer à la news suivante, euh, qui a un petit peu rien à voir, mais euh, je voulais vous en parler. Alors je sais qu'il euh, y en a un qui se reconnectera, dans le, dans le... qui me met ça en commentaire à chaque fois, qui me dit Ouais, mais tu parles toujours de ce jeu nul. Moi, je l'aime bien, ce petit jeu fait par un petit studio français. Euh, ça change un peu, c'est Planet Crafter. Je vous en parle assez régulièrement. Alors je le précise et je le redis à chaque fois les jeux que je vous présente ici, il n'y a aucune sponsor et aucune collaboration commerciale. Il y aura le petit truc au-dessus de ma tête, c'est, euh, je vous les présente, parce que c'est des jeux que j'aime bien, que je suis, tout ça, etc. Ou des jeux que j'ai trouvés, parce que je pense que ça peut vous intéresser dans le cadre de l'actualité des jeux de science-fiction, fantasy et fantastique. Donc du coup, si je vous parle régulièrement de Planet Crafter, c'est pas du tout parce que le studio me demande d'en parler, j'ai pas du tout de contact avec eux, c'est juste parce que le jeu, je le trouve cool. Et, évidemment, Planet Crafter, c'est officiel, le 10 avril 2024, il va sortir de sa phase Dearly Access, euh, NMS remake. Oui, il y a un, enfin il un petit côté NMS, mais ça va pas aussi loin que, que No Man's Sky. Alors pour rappel, c'est quoi Planet Crafter Vous êtes un espèce de comment dire de, de bah, bon, j'allais dire mec en je vais dire un bagnard. Enfin, je sais plus comment on dit. Euh, vous êtes emprisonné, vous devez purger votre peine et ils ont rien trouvé de mieux que de vous balancer sur une planète, démerdez-vous et tu la terraformes. L'objectif c'est ça. Et en gros, je suppose qu'une fois que t'as fini de la terraformer, bah t'as purgé ta peine. Sauf que du coup, vous avez toute une planète à terraformer, ça prend du temps, faut s'occuper de remettre l'atmosphère en état, faut arriver à faire pleuvoir, faut qu'il y ait des plantes qui arrivent et tout. Donc c'est vraiment de la pure terraformation, donc c'est un jeu à la première personne. Vous devez notamment par exemple aller euh, farfouiller à droite à gauche, des roches, tout ça, etc. Vous arrivez, vous voyez, avec les petites capsules comme ce que vous voyez à l'écran. Alors le jeu est fait sur Unity, évidemment, graphiquement, c'est différent de ce que vous venez de voir à l'instant avec Dural Engine. On n'est pas sur le même nombre de personnes qui bossent dessus. Là, c'est un petit studio, je crois qu'ils sont 3, 4, 5, ils sont moins de 10, en tout cas, ils sont pas beaucoup vraiment dans le, dans le studio. C'est un petit studio français. Les graphismes ont s'y fait. Hein. C'est ok, c'est pas du Unreal Engine avec du DLSS, avec des, du Ray Tracing de fou furieux. Mais ça fait le job et c'est très très bien optimisé et ça se joue extrêmement bien. Ce qui me fait dire que euh, si un jour ils arrivent à porter ça un jeu comme ça, même sur une Switch, je pense que ça pourrait être top. Ça pourrait vraiment être génial. Mais bon, ça après, wait and see, parce que comme c'est un petit studio, ils peuvent pas être partout à la fois. Pour l'instant, le jeu est accessible sur Steam. Le 10 avril 2024, il sort de l'AI e Access. Euh, il coûte 23,99€. Et ce qui est super intéressant, c'est que depuis qu'il est arrivé, depuis mars 2022 en Early Access, vous avez quand même eu 7 mises à jour majeures. Donc le jeu, vous l'achetez, vous avez du contenu de ouf qui est rajouté à chaque fois. Il y a vraiment de quoi de faire, c'est ultra child. Hein. Vous n'êtes pas dans un Starfield, vous allez vous faire bouffer par n'importe quelle créature à chaque fois, vous, vous mettez le pied dehors. C'est très child, il n'y hein. a pas de bestioles qui vous attaque. C'est vraiment, où vous faites votre petite base, vous, vous explorez à droite à gauche. Évidemment, vous avez un peu le côté survie, parce qu'il faut faire un petit peu attention à, à l'environnement. Et ce qu'ils proposent, notamment pour cette, euh, comment dire, pour cette sortie en Early Access, parce que souvent, parfois, vous avez des studios, ils sortent leur truc en Early Access, et puis ça y est, c'est fini, au revoir. Ils ont prévu d'avoir une roadmap par la suite. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont encore publié Mais, euh, notamment, dans ce qu'ils vont mettre, euh, dans cette euh, fonctionnalité-là pour le, pour avril, c'est une mise à jour... Euh, une mise à jour euh, majeure au niveau du lancement qui providera un nouveau mode multijoueur jusqu'à 8 joueurs, plusieurs nouveaux biomes et l'apparition d'espèces animales. Donc du coup ils vont quand même un petit peu nous régaler par rapport à ce qui... Euh... Non, il n'y a pas de sentinelle là-dessus, là-dessus je te rassure, il n'y a pas de... Non, non, franchement je l'ai joué, je l'ai fait, c'est Child, c'est Pépère, franchement ça se joue bien, c'est genre de jeu que tu peux faire en stream tranquille et puis discuter avec ta commune en même temps, c'est assez cool quoi. Euh... Si rien que pour toi je t'ai commandé un développeur. Ouais, alors en fait tu vas avoir des créatures qui vont te sauter à la gueule comme dans Star Citizen. Les biomes sont très jolis en plus. Je crois qu'ils ont mis aussi une option avec un espèce de portail euh, qui va te permettre je crois d'aller euh, sur d'autres planètes et de faire... Un petit peu de, ré de récolter, un petit peu à droite à gauche. Non, ils ont vraiment fait un gros gap, ils ont bien amélioré. Euh, bah, franchement, honnêtement, je leur tire vraiment mon chapeau par rapport au boulot qu'ils ont fait. Et je pense qu'ils vont continuer à le mettre à jour, leur jeu. Ils vont continuer à faire plein de choses. Et honnêtement, franchement, pour euh, si vous avez bien ce genre de petit jeu, 23,99, c'est cadeau. Hein. C'est vraiment cadeau. Hein. Moi, j'y reviens de temps en temps. Je voudrais peut-être d'ailleurs un, un nouveau petit stream, du coup, sur Planet Crafter. Euh, semaine prochaine ou semaine d'après, on verra. On y restera peut-être de se revenir dessus. J'ai une game qui traîne que j'avais pas fini, Histoire de vous montrer un petit peu ça, quoi. Il euh, faut juste gérer sa survie. Bon, ouais, c'est ça exactement. Comme dit Matt Image, il bah, y a toujours, toute cette partie-là à gérer au début. Et ça prend un petit peu de temps, en fait, à... Comment dire À se faire à, à cette partie au niveau de la, de la survie. Mais une fois qu'on a trouvé ses, ses aises, ça va. Ça, ça se fait. Euh... C'est quand même plutôt cool, quoi. Donc voilà, donc... Euh, bah oui, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, hein, c'est... Il euh... y aura peut-être même d'ailleurs une petite promo, je crois, pour... Euh... Euh, lors de la sortie en Early Access... Euh, de, de Early Access, la 1.0. Il y aura peut-être une petite promo. Donc regardez un peu sur Steam, jetez là-dessus, vous aurez peut-être une petite promo de, de quelques pourcentages. Euh, euh, si vous voulez vraiment euh, pas y mettre... Enfin, euh, si, euh, si vous voulez pas dépenser 23,99 peut-être qu'il sera peut-être à 21 euros je sais pas, à voir... N'hésitez pas à regarder, mettez-le en whitelist évidemment, parce que ça aide en général les développeurs quand vous mettez les gens en whitelist. Euh, ça aide à montrer à Steam que euh, les gens sont intéressés et surtout à mettre le jeu en avant. C'est super important, si vous voulez soutenir un jeu, la première chose à faire c'est mettez-le en whitelist. C'est le truc de base quoi. <laughs> voilà, donc ce qu'on pouvait dire un petit peu sur, euh, pour ce petit euh, Planet Crafter qui est prévu euh, sur euh, le 10 avril en version 1.0. Et on va passer à la news suivante, on en est plus là sur du truc. Un chouï un peu plus nerveux. C'est un... le bon truc bien nerveux euh, qui tabasse bien. Il s'agit d'un jeu que j'avais jamais entendu parler. <laughs> très honnêtement. Qui s'appelle Mecha Break. Alors, je sais pas s'il y en a, n'hésitez pas me dire dans le chat si vous avez déjà entendu parler de ce jeu. Alors, c'est un nouveau jeu multijoueur qui est inspiré euh, de Gundam qui combat, enfin, euh, qui combine, je vais y arriver, des combats tactiques de Counter-Strike 2 avec le combat euh, de mec d'Armor 6. Pour vous donner un peu le, le thème. C'est très nerveux, c'est très très. Voilà, c'est très de la bastos. Mais si vraiment vous voulez vous défouler après une journée de travail un peu épuisante ou euh, vos collègues vous ont un peu agacé, là, vous pouvez aller vous défouler sur ce jeu-là. Euh... Vous allez pouvoir combattre sur une espèce de carte qui fait à peu près 256 km avec une soixantaine de joueurs, en utilisant notamment les mecs personnalisables pour des affrontements en fait un petit peu dynamiques et variés. Donc là, je pense qu'on est vraiment plus sur du PVP pur. Euh, Est-ce qu'on est plus sur des maps battle royale Ils n'ont pas trop précisé par rapport à ça. Il euh, faut savoir que le jeu encourage la coopération, le travail en équipe. Euh... Et justement, sans place pour les héros solitaires. Donc ce que oui, donc il faudrait vraiment essayer d'être un peu plus... Euh tactique et stratégique pour arriver euh, peut-être éventuellement à euh, comment dire à, euh, à détruire vos adversaires. Il y, a une, euh, comment dire, euh, il y a une bêta fermée qui est prévue pour fin avril, euh, avant le lancement complet du jeu. Donc pour l'instant, ils n'ont pas trop précisé à ce niveau-là comment ça fonctionne au niveau de la bêta fermée. N'hésitez pas à aller voir sur le site de l'éditeur, du coup, éventuellement, s'il y a une newsletter, vous pouvez peut-être vous abonner si le je jeu vous intéresse. Euh, mais du coup, je pense qu'à mon avis, bêta fermée, ça va forcément dire derrière, je l'espère pour eux, de faire un peu une espèce de démo bêta gratuite, histoire de récolter un peu l'avis des joueurs, et après ça permet aussi aux gens de se faire un petit peu un avis, euh, avant de passer directement à la caisse, sauf savoir que le jeu sera disponible, il est prévu pour être accessible sur euh, PC évidemment, sur Xbox Series X, Series S, et sur PlayStation 5, et pour l'instant on n'a pas encore de date de sortie et de prix officiel, on va dire que si on est sur une bêta fermée, en spéculant vraiment à la grosse maille, je pense qu'à mon avis, je vois pas pourquoi il ne sortirait pas en 2024. Quand vous êtes en général sur des phases bêta, c'est que vraiment vous voulez la vie des joueurs, peut-être un peu tester les serveurs, tout ça, etc. Parce qu'on est quand même sur du 60 joueurs avec des grosses maps, voir si c'est un petit peu bien équilibré, si c'est assez énergique par rapport à ça. Donc je pense qu'à mon avis, il y a des chances pour que ça sorte. Je vois bien un petit jeu comme ça, c'est genre de jeu qui peut être sympa à jouer pendant l'été si vous voulez vous défouler un petit peu le soir en rentrant de la plage ou après une journée de boulot, attends. Voilà, donc ça s'appelle Mecha Break et ça sera disponible sur PC et console. On l'espère. Je crois qu'il y a marqué 2024. Ah oui, non, 2024, c'était pour la bêta fermée. On espère disponible peut-être dans l'année pour ce jeu. Alors là on va passer sur un autre registre. Euh, J'aimais vous changer un petit peu dans les registres au niveau des, euh, au niveau des jeux. On va parler de Terraformers. Avec une nouvelle DSC qui va arriver. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Terraformer C'est un jeu de construction de colonies et de gestion des ressources qui est au tour par tour avec des éléments de type roguelike. Donc, en fait, vous avez une partie un petit peu exploration où vous devez explorer Mars avec des dépôts et des ressources qui érigent des grottes, etc., des cristaux géants et des euh, merveilles naturelles qui sont assez euh, impressionnantes. Vous avez toute une partie colonisation où vous pourrez fonder euh, de nouvelles villes euh, sur des cratères, euh, dans, des tubes de la... dans des tubes de lave, oui. Vous est bien entendu. Euh, vous pourrez développer des métropoles euh, utopiques en établissant des, justement des, euh, des, un système industriel automatisé par des, euh, par des robots. Donc, y a vraiment cette, euh, donc là on est vraiment sur un jeu purement euh, purement euh, purement solo. Euh, vous aurez toute une notion de terraformation tiens. Euh. Si vous avez bien aimé la terraformation avec Planet Crafter, vous pouvez le faire aussi sur euh, sur Terraformers. Vous pouvez répandre la vie et transformer la planète rouge en une planète verte. Euh, vous pourrez redémarrer un volcan, construire de grands miroirs spatiaux, lancer des bombes nucléaires sur les pôles. Euh, pour faire de la géo-ingénierie de toute la planète, alors c'est assez violent quand même, c'est hop, là, on fait fondre les pôles et boum, ça explose. Vous avez toute une notion de biodiversité, où vous pouvez propager des bactéries adaptatives, planter des forêts, euh, vous pouvez notamment, euh, comment dire, euh, avoir un petit peu des avantages stratégiques par rapport à ça, et l'objectif, c'est, euh, en fait, tout simplement, c'est d'arriver à, à redonner vie à la planète rouge pour que ça soit le nouveau berceau de l'humanité, parce qu'évidemment, je suppose que dans le jeu, la Terre est en train de crever la gueule ouverte. C'est un jeu qui est disponible à peu... pour 20€. Vous l'avez à la fois sur PC, sur Mac, sur Linux, plutôt rare pour être souligné Xbox One, Xbox Series X, S, PlayStation 4, PlayStation 5. Mais pourquoi je vous parle de ce jeu Parce que c'est quand même un jeu qui est sorti déjà depuis un moment. C'est parce qu'il y a eu, notamment, une nouvelle DLC qui vient d'arriver. Euh, qui est une DLC évidemment payante, qui est disponible pour à peu près 7 euros. Qui s'appelle New Frontier, qui est un nouveau contenu téléchargeable. Et ça ajoute la possibilité de fonder des avant-postes sur d'autres corps célestes du système solaire. Vous pourrez explorer un peu l'atmosphère dangereuse de Vénus, vous adapter à des champs de gravité massive de Jupiter ou chercher les mystérieux anneaux de Saturne, et vous aurez la possibilité de décider quel céleste vous voulez un petit peu explorer, habiter. Donc c'est une façon un petit peu en gros, comme son nom l'indique, New Frontières, de dépasser un peu les frontières de votre jeu de base et d'aller beaucoup plus loin, et de pouvoir téléformer beaucoup plus de zones. Euh, vous pourrez notamment par exemple euh, décider du sort de ces nouveaux endroits à explorer avec des événements inédits. Euh, vous pourrez un peu mener vos sociétés martiennes sur différentes manières avec trois euh, nouveaux, euh, nouveaux leaders. Donc vous avez vraiment beaucoup plus de possibilités. Donc une petite, une petite update qui, euh, qui coûte 7 euros. Alors je ne sais pas s'ils ont prévu de faire un bundle entre les deux si vous êtes intéressé par ça. Mais je pense que déjà, euh, de base, euh, la première version qui est sortie euh, le 6 mars 2023, je pense qu'à mon édit, il y a déjà beaucoup à faire. Avec la DLC, je pense que ça peut aller très loin. Je ne sais pas s'il y en a eu l'occasion de tester ou pas sur le chat. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous faire un petit peu à ce. Euh, terraformers qui est un, un planet crafter xxl <laughs> qui va beaucoup plus loin on est vraiment sur du pur jeu de gestion hein. on n'est pas sur du, euh, du jeu hein, pour ceux qui verraient ça en podcast euh, on est vraiment sur du pur jeu de gestion où là vous êtes vraiment en vue extérieure un peu comme un sim city euh, et après vous avez un peu une espèce de vue extérieure de toute la planète et vous pouvez euh, comment dire euh, choisir euh, ce que vous faites effectivement avec votre terraformation quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce petit terraformers qui continue à s'étoffer avec des nouvelles DLC. Je connais pas du tout le studio qui est derrière ça. En tout cas ils ont l'air de bien suivre leur jeu. Évidemment on reste toujours dans la thématique des jeux de science-fiction sur la chaîne. Alors là on va parler, on change complètement, parce que moi j'aime bien en fait sur la chaîne si vous voulez mettre au même niveau la science-fiction, euh, la fantaisie et le fantastique. À la fois des films, des séries, des livres et des jeux vidéo. Donc, on parle un coup de jeux vidéo, un coup on parle de films, parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, les, les deux sont, euh, pour moi, ça reste des œuvres artistiques. Donc, du coup, ça doit être placé exactement au même niveau. C'est pour ça que j'aime bien vous mélanger un petit peu ça et je vous mélange un peu les, les news. On va parler d'un film sur lequel, euh, notamment, enfin, c'est dommage d'ailleurs que l'air soit pas là ce soir parce qu'il aurait bien rigolé en voyant ça. On va parler de Je suis une légende avec Will Smith, euh, dont il y avait une chronique. Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs sur les playlists au niveau euh, de la chaîne YouTube. Vous avez toute la playlist avec toutes les émissions, et il y a une chronique de l'air qu'il avait fait sur Je suis une légende. Alors je sais plus s'il avait bien ou pas aimé le film, en général quand il commence à faire des chroniques, souvent c'est un peu assassin derrière le film. Il faut savoir en fait que Je suis une légende, juste pour vous rappeler un peu l'histoire, en gros, je reprends un peu mes notes, euh, c'est un film qui a été tourné en 2007, euh, enfin qui est sorti en 2007. Avec euh, qui a été tourné par Francis Lawrence, avec comme acteur principal Will Smith. Vous avez Alicia Braga et euh, Charlita Anne. Et euh, le synopsis du film, c'est euh, ça suit euh, Robert Neville, Will Smith, qui est un scientifique brillant et qui est un petit peu le dernier survivant dans un New York dévasté par un virus mystérieusement, lui il est mystérieusement immunisé aussi avec son chien évidemment. Euh, Neville est tenté par des mutants appelés les infectés et tente de retrouver un remède en utilisant son propre sang. faut savoir que du coup le film est sorti euh, déjà en 2007. À la fin, je vous le dis, je suis désolé, je vais un peu vous spoiler la fin. Le personnage principal il meurt, euh, justement en arrivant à sauver la situation un peu avec le virus. Hein, je vous laisserai aller voir le film pour euh, voir exactement comment ça se passe. Sauf que, bon, bah, forcément, si vous avez un personnage principal qui meurt, bah, en théorie, pas de suite. Sauf si vous passez du personnage principal, faut savoir que je suis une légende, quasiment presque les deux tiers du film, c'est uniquement Will Smith à, à l'écran et son chien, et c'est tout. Point. Donc, euh, si vous voulez faire un, une suite, c'est un peu compliqué de le faire sans Will Smith. <laughs> Sauf que du coup il y a une espèce de petite fin alternative que moi je n'ai pas vue, euh, parce qu'elle n'était pas au cinéma, je crois qu'elle doit être euh, sûrement euh, sur des directors cut euh, disponibles quand vous euh, achetez le film ou vous le mettez peut-être en VOD. Euh, et euh, dans cette euh, suite un petit peu alternative, évidemment le personnage principal de Robert Neville, incarné par Louis Smith, ne meurt pas. Et pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il est prévu, en ce moment, il y a euh, le tournage de la suite. Qui est Je suis une légende 2, évidemment. Bonjour, l'originalité. Je sais pas si c'est un titre provisoire ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Et euh, qui, alors, on ne sait pas trop exactement pour l'instant où est-ce que ça va se dérouler, comment ça va se passer, parce qu'à la fin, ça finit un petit peu dans une espèce de, de ville un peu reclue, euh, qui se protège un peu du virus et de tous les infectés. Ça fait très résident de tes hein, au niveau des infectés. Euh... Euh, enfin, je sais pas si. Ouais. Ça ressemble un peu à des zombies, de toute façon, il euh, n'y a pas de gros, grosses différences. Euh, et du coup, il euh, y a une ville où ils sont un peu reclus, un petit peu dans ce, dans ce secteur-là. Et euh, sur cette ville, en fait, euh, ils, ils se défendent. Et euh, quand, justement, ils récupèrent le virus à la fin, ben, je suppose, pure spéculation de ma part, que ça va peut-être s'orienter là-dessus, et que ça va peut-être reprendre la suite, ou peut-être que ça va passer plusieurs années après. Ben, à mon avis, il va y avoir un lien, je pense, entre le premier et le deuxième. Donc... Si vous voulez savoir à quoi vous allez être mangé pour la suite de I Am Je suis une légende, c'était pas à voir le film avec la suite alternative. Pour l'instant, le film n'a pas trop été confirmé. Enfin, si, il a été confirmé pour 2025. Mais euh, du coup, à voir, parce que je crois que, euh, comment dire, pour l'instant, ils sont encore en tournage. En sachant, juste pour information, que Will Smith, ça va être un peu aussi l'occasion. Il revient un peu sur le devant de la scène, parce que, bon, pour ceux qui ont bien connu Will Smith, c'était un acteur qui était extrêmement bankable, avec les Banyan Black, il a fait. Euh, il a, il a commencé d'ailleurs notamment avec le prince de Bel Air. Il était assez exceptionnel comme acteur hein, parce que c'est vraiment un acteur qui est extrêmement complet, qui s'est joué plein de rôles et tout. Pour moi, c'est un des acteurs presque favoris. Honnêtement, franchement, Will Smith il, il fait très très bon boulot en termes d'acting. Et, euh, et du coup, bon, il a, il était un peu dans la panade récemment parce que si vous le savez pas, il y a eu une, récemment un peu une espèce de petit euh, bad buzz. Je vous parle de ça parce que ça, ça a un peu étriqué un peu son image où en fait, il a, il, il a un peu perdu son sang-froid pendant une euh, pendant une représentation. Parce que je crois qu'un des présentateurs qui était présent euh, a, a eu des mots un peu déplacés envers sa, sa compagne, je crois, qu est, euh, euh, qui est atteint d'une maladie, alors je ne sais plus quoi exactement. Et en fait, il est monté sur scène, je crois qu'il lui a mis une baffe ou une pêche, je ne sais plus ce qu'il a fait. Qu'à mon avis, j'ai cru entendre un peu pour les propos qui avaient été tenus. Je pense que n'importe qui aurait perdu son sang-froid. Sauf qu'évidemment, je vous le donne en mille en plein milieu d'un truc où tout le monde est avec la caméra comme des crétins. Hein. Forcément, ça fait le tour des réseaux sociaux et c'est pas une bonne image pour un acteur. Donc là, il revient un petit peu sur le devant de la scène et on le retrouve par exemple un peu plus sur des euh, euh, comment dire sur des films. Là, je crois qu'il a il a l'affiche de de euh, comment il s'appelle Bad Boys. Là, je crois que c'est ça, Bad Boys 4. J'ai jamais été un grand fan de cette saga des je crois que c'est ça, c'est Bad Boys. Hein, si je dis pas de bêtises, je vais un grand fan de la il y a des bad boys mais là il, il a l'affiche de ça et il va être bientôt à l'affiche notamment de je suis une légende la suite en version euh, 2 alors si on continue un petit peu euh, la suite là évidemment on va arriver sur un peu la grosse news de la soirée c'est ce que je vous ai mis du coup, en miniature euh, de ce live. Euh, moi, perso, je trouve qu'il a bien fait. Du... Ouais, J'ai cru comprendre effectivement tu vois il avait été un peu loin. Je crois d'ailleurs que le gars derrière, après, s'est excusé, tout ça, etc. Et euh, il a, euh, comment dire, euh, comment dire, le... le présentateur, je crois qu'il s'est excusé. Il n'a pas porté plainte. Mais bon, ça, c'est un peu. Il enfin, y a un moment, faut, faut aussi arrêter de prendre les gens pour des cons. Je peux comprendre qu'ils soit un peu agacé. Euh, mais là, du coup, je voulais revenir sur une autre news, Stargate. Alors. Pourquoi je vous parle de Stargate Parce que, évidemment, Stargate, on attend toujours la suite. Je vais vous débriefer un peu pour ce qu'est Stargate. Hein. Euh... Ah oui, d'accord, ok, oui, je vois par rapport à sa femme, effectivement, oui, qui a, qui a en plus un cancer. Euh... Stargate, c'est une grosse série de science-fiction. Je vais vous débriefer un peu pour ceux qui ne seraient pas trop au courant de tout ce qu'il y a derrière Stargate. Et Stargate va être disponible à partir. Enfin, d'ailleurs, assez rapidement, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, si je reprends mes notes, à partir du 11 avril, vous allez avoir l'intégralité de la série Stargate SG1 qui va être disponible sur Prime Video. Vous allez pouvoir la revoir en entier, sachant que pour l'instant on attend toujours une suite, voire peut-être éventuellement un reboot, on ne sait pas trop. Alors pour rappel, je refais un petit peu euh, la repasse sur Stargate. Évidemment un film que je vous conseille grandement parce que le, vous avez le premier film de Roland Emmerich. D'ailleurs j'ai appris une anecdote sur Stargate euh, qui est assez intéressante, qui peut-être refroidir certains pour voir le pour voir le film, mais moi, qui m à l'époque m'a pas empêché de, de l'apprécier euh, euh, par rapport à ça. C'est un film de science-fiction. Militaire, vous allez comprendre pourquoi là-dessus. Euh, c'est sur le dispo sur la chaîne MGM via Prime. Euh, comment dire euh... Bah, en fait, c'est une grosse news pour ceux qui sont vraiment fans en fait, de la série StarGate. Parce que moi, le premier, euh, j'avais pas envie de me retaper spécialement un abonnement pour, pour voir la série StarGate. Et quand même, juste pour rappel, la série StarGate, c'est quand même un classique de la science-fiction qui a quand même duré un bon 10 ans. Donc, pour rappel, en fait, sur euh, comment dire euh, Sur la série StarGate. C'est à la base un film de Roland Emmerich. Alors il s'agit d'une histoire en fait où il y a euh, sur Terre une espèce de porte des étoiles qui est euh, déterrée un petit peu du sol. Cette porte des étoiles, en fait, ils se rendent compte plusieurs années après. Alors, au début, ils savent pas que c'est une porte, hein. ils savent juste que c'est un espèce de rond, le rond que vous voyez ici sur la, sur la droite, là. et euh, ils se rendent compte plus tard que c'est un espèce de portail vers euh, différents univers, et que du coup, à l'époque des égyptiens, alors, euh, il y avait des extraterrestres qui étaient venus sur Terre, qui avaient un peu euh, esclavagisé tout le monde, et c'était eux qui avaient construit les pyramides, et que les pyramides servaient tout simplement comme base pour atterrir... Pour un vaisseau spatial, je vous la fais très simple, c'est ça. Et derrière, euh, forcément, vous avez euh, une équipe de militaires, c'est pour ça qu'on parle d'une saga de science-fiction militaire, euh, qui est chargée un petit peu, d un peu en opération commando, d'aller prospecter sur cette nouvelle planète, de voir ce qu'il y a, et il libère un petit peu euh, les indigènes qui sont sur place, qui sont aussi également sous pression, comme ça avait été le cas sur Terre euh, plusieurs euh, milliers d'années avant. Et du coup, le film pour l'instant s'arrête là, sauf qu'après, derrière, il y a une saga, il y a une suite. Et euh, ça a donné naissance à ceux qui connaissent la fameuse série Stargate SG1 et toutes les suites, comme Stargate Atlantis, Stargate Universe. Je crois qu'il me semble qu'il y en a eu d'autres aussi, mais je ne sais plus le nom exactement. Euh... Bon, moi, j'étais fan, mais j'ai pas besoin de ça pour, euh, pour la revoir. Euh, mais il y en a, y a un qui ne connaissent pas nécessairement la série Stargate, parce que souvent, en général, quand je cite la série, euh, euh, la suite qui va s'appeler Jump Point. <laughs> Je crois taquin ce soir. <laughs> euh, J'espère une news sur une suite éventuelle, mais bon, c'est... Alors oui, oui, alors pour revenir sur la suite euh, par rapport à Stargate Gate 1, donc juste très rapidement, en fait, Stargate Gate 1, ça reprend la suite euh, du film avec une autre équipe, et évidemment, forcément, ils trouvent plusieurs portes, ils vont sur chaque planète, et à chaque fois, ça fait un peu comme du Star Trek, ils arrivent sur la planète, et puis ils doivent un peu libérer les, les, les civilisations, tout ça, etc. Petite nuance, et ça, je suis quand même mal précisé. Pourquoi on parle de série de science-fiction militaire Parce que, chose que j'ai appris, c'est que. Euh, l'US... Je, crois... je crois que c'est. est, je vais reprendre mes notes. Je ne sais plus si c'est l'US Air Force ou l'US Navy. Je vais je reprends le. Il enfin, y, a... y a eu l'armée, justement, qui était un petit peu derrière aux commandes, au niveau de la série Target SG1. Euh... Voilà, c'est ça, les forces armées américaines, euh, qui surveillaient un petit peu les scripts pour donner une bonne image de l'armée américaine. Alors, évidemment, si je vous dis ça, il y en a pas qui vont dire oh, non, ça donne pas envie de tout le regarder. Moi, je n'étais pas au courant de ça à l'époque. On le sentait vraiment, enfin, enfin, franchement, il fallait, il fallait être un peu aveugle, pour on sentait vraiment qu'il y avait un peu cette notion, genre euh, militaire, un peu le militaire qui vient sauver, tout ça, etc. Un peu, euh... enfin, on sentait vraiment qu'il y avait un peu cette image, je pourrais pas dire de colonisateur américain, mais presque, euh, qui essaie d'intervenir sans intervenir, à chaque fois ça marchait jamais. C'est pour ça qu'on peut vraiment l'opposer à un Star Trek qui, était, qui est complètement différent au niveau de la philosophie. Mais sachez, effectivement, qu'il y a un peu cette empreinte derrière un militaire, ce qui n'empêche pas que la série est très cool à regarder, euh, qui est... Euh... l'Air Force, il y a même un vrai général du Pentagone qui a fait son apparition. Oui, enfin, il y a, il y a un général qu'on euh, qu voit, d'ailleurs, dans les... Euh, que vous voyez, d'ailleurs, sur, sur la miniature que je vous ai mis, du coup, directement sur le, euh, sur le stream, et je ne savais pas qu'il y avait un vrai général qui avait... qui était intervenu dessus. Et, effectivement, juste euh, pour reprendre ce que tu disais, ma Image, ça fait déjà un bon moment. Moment qu'on attend effectivement, euh, militaire qui vient apporter la démocratie, c'est un peu ça. Mais t'as un peu bien résumé Starlight. <laughs> euh, mais du coup en fait ouais, ça fait un bon moment qu'on attend en fait tout simplement une suite. Euh, faut savoir que je crois le, le lecteur principal que vous voyez au milieu, j'ai oublié le nom d'ailleurs qui faisait euh, euh, qui faisait. Euh, ah j'ai oublié le nom de la série. Vous allez me retrouver ça dans les commentaires, dans les dans le chat. Euh... Il avait racheté, je crois, les droits. Euh... Le créateur de la saga voulait récréer des scripts et tout. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'entre-temps, la MGM a été rachetée par Amazon. Donc, il y a eu des transferts de droits et tout. Ça a été un vrai bordel. Ça a été rebooté plusieurs fois. Amazon ne savait pas trop quoi faire avec la série. Il faut savoir aussi, enfin, avec la licence, il faut savoir aussi qu'Amazon a aussi racheté les droits sur James Bond. Et on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire aussi, également. Faut... J'ai un peu toujours peur avec Amazon. Hein. C'est... Amazon me fout vraiment la trouille, je, je sais pas trop quelle va être leur... Euh... Quand je vois ce qu'ils ont fait dans le jeu vidéo avec New World, euh, ça me fait peur. Donc il y a voir, mais c'est une, une grosse série de science-fiction. Faut au moins l'avoir vu une fois. Alors, si vous voulez pas vous taper la série en entier, parce que je sais plus combien il y a d'épisodes, je crois qu'il y, a... y en a. Il y en a combien d'ailleurs. Je sais pas si que je l'ai pu le noter ou pas. Il y a 10 saisons et 214 épisodes. Ça a été de juillet 97 à, mar... à mars 2007 au niveau de la la série euh, la série Stargate donc ça a duré quand même vachement de temps moi ça a vraiment bercé une grande partie de mon euh, enfance par rapport à ça Et, euh... donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la série Stargate parce qu'évidemment si vous êtes né après 2007 ou vous êtes euh, la génération euh, 2000 ou 2005 dans ces eaux là vous avez peut-être pas nécessairement forcément vu cette série euh, directement à la télévision ou ouais, sans compter les films effectivement avec la saga Atlantis et tout le bordel, enfin il y, en y en a un bon paquet. Euh, par contre, franchement honnêtement, allez la voir, parce que ça, au moins voyez le film, parce que le film déjà est très très bien, hein. franchement honnêtement, le film de Roland Ebrich, très bien, porté par une musique, dont je ne peux pas vous mettre sur le stream, qui est juste géniale, franchement la musique de Stargate elle est top. Et on attend évidemment une suite, peut-être un reboot à Stargate sg 1 euh, mais pour l'instant il n'y en a pas. Mais en attendant, pour ceux qui voulaient revoir ça, vous avez l'intégralité de la saga qui est disponible sur Prime. Ce qui est quand même plutôt cool, parce que moi, plusieurs fois, j'avais voulu la revoir. Et à chaque fois, c'était payant, c'était un peu chiant. Eh bien, euh, il va jouer dans... Wilkin Dead. Quoi, Quoi Biden, il va jouer dans, dans une série. Euh... Euh, j'espère une nous sur une suite éventuelle euh... Euh... oui j'ai ça tu as déjà vu que la force ils mis un général du pentagone parce qu'en mettant en avant les militaires ça permettait indirectement de recruter des petits jeunes ouais il y a peut-être de ça aussi enfin c'est euh... Tu sais, c'est comme la grande période des, euh, des films de, de cow tous, etc. Avec la conquête de l'Ouest, où la ne pas trop gratiner les mages des Américains. Ouais, bon, il, a, oh, il faut le savoir, en fait, quand vous regardez cette série, il faut le savoir qu'il y, y a une petite connotation militaire. Donc, si évidemment vous avez un problème avec ça, je préfère vous prévenir avant, pour pas être déçu. Si ça ne vous dérange pas outre mesure, regardez au moins le film, vous le verrez. Si ça vous plaît ou pas, et si vous, ça vous plaît pas, forcément ne sautez pas sur la série, ça paraît logique. Mais franchement, honnêtement, ça va voir hein, par, rapport, euh, par rapport au scénar. C'est surtout un Riot Univers qui est pas terminé, même s'il n'a pas bien marché par rapport aux autres. J'ai aimé son côté. Alors, j'ai énormément aimé euh, Stargate Universe pour une raison. Euh... Oui, effectivement, il y a eu un jeu Stargate, on avait parlé, il y avait Stargate Timekeeper, ce qui est sorti récemment. Il y a eu d'autres jeux, d'ailleurs, Stargate, qui avaient été faits par la communauté, qui ont été malheureusement fermés pour des problèmes de droit, où il devait y avoir un vrai jeu en vue à la première personne, où tu, tu jouais vraiment le rôle d'une équipe, euh, comme dans Stargate, parce que Stargate Timekeeper, c'est plutôt un truc à la troisième personne. Moi, Stargate Universe, j'avais adoré, parce que juste pour rappel, Stargate Universe, on sait en fait que dans l'univers de Stargate, vous avez une espèce de porte des étoiles avec les chevrons pour ceux qui jouent à No Man's Sky, c'est un petit clin d'œil d'ailleurs les portails à Stargate il y a beaucoup de clins d'œil dans, dans pas mal de, de films là-dessus sur cette, sur cette notion de porte un peu des étoiles euh, et euh, d'où le titre du film et de la, série, de la saga et du coup moi j'avais bien aimé parce que faut savoir en fait que ces portes des étoiles on apprend dans le lore, l'univers du jeu qu'elles sont un peu déposées par une espèce d'entité de, extraterrestre très ancienne qui maîtrisait des tonnes de technologies et euh, ils avaient un vaisseau qui permettait de déposer les portes, parce que faut savoir que les portes vous permettent de vous balader à pied euh, d'une planète à une autre, à l'autre bout, à des années-lumière euh, de la galaxie. Il y a aussi plus tard des portes qui ont été faites également pour faire euh, déplacer des vaisseaux, mais je crois que c'est plus vers la fin, je crois, de, de la saga Stargate 1G1. Et on ne savait pas trop exactement comment fonctionnaient ces portes. Et ils découvrent notamment qu'il y a un 9ème chevron. Je crois qu'il y en a 8, si je dis pas de conneries. Ce 9 chevron permet d'aller sur le vaisseau qui permet justement de placer les portes. Et ce qui est génial en fait dans Stargate Universe, que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est en fait une, une saga à huit clous qui Se passe vraiment la, la première saison est top parce qu'en fait ils sont balancés sur ce vaisseau. On est vraiment dans le, le film en fait de science-fiction pure à huis clos dans un vaisseau spatial où là ils se retrouvent dans la merde. Le vaisseau marche pas parce que ça fait des années, des milliers d'années qu'ils tournent en rond. Il y a plus d'oxygène, la flotte marche pas. et En fait, ils explorent le vaisseau, etc. Il aura des, des tonnes de trucs. Et là, franchement, les Star les Gate Universe, j'ai adoré la première saison. C'est un peu parti en vrille quand il y a commencé à avoir des aliens un peu rasta, tout etc. C'est rigolo. Il ouais, y avait des trucs assez, assez fun et d'ailleurs, pour, pour l'anecdote. Vous avez c'est Jason Momoa, je crois, si j'écorche pas trop son... son nom de famille, qui est euh... qui a commencé dans la, enfin il s'est fait connaître beaucoup dans la série Stargate. celui que vous voyez par exemple dans Aquaman et euh, que vous voyez je sais plus dans quel autre film euh, à l'affiche en ce moment ou qui a été à l'affiche il y a pas très longtemps. Euh, il a commencé, il était dans la série dans la série Star Atlantis par contre, parce qu'il y a une autre base. Euh... Enfin je vais pas vous va faire toute l'histoire et tout. C'est lui Joaquín. Oui, il bah, y, a, y a en a beaucoup qui ont adoré euh... euh, Star Gate mais malheureusement je crois que la série s'est arrêtée assez vite. Il y a eu une, euh, des web épisodes qui se sont déroulés euh, un petit peu en parallèle, mais pff, après ça s'est fini, puis basta quoi. Euh, il y a une démo sur Steam, sur euh, ouais, il me semble, ouais, sur, on en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne euh, à un moment, euh, sur cette partie. là oui, effectivement, il y avait que deux saisons sur, euh, sur Stargate, euh, sur Stargate Universe. Alors, moi aussi, je crois que les équipes et les scénaristes, des séries, la franchise avaient une préférence pour cette dernière. Bah ça m'étonne pas parce que c'était vraiment abouti par rapport à ça. Sauf faut être honnête, bon, il y avait des trucs. Alors, je vous le dis tout de suite, alors le film il a Très bien vieilli, par contre, la série, il y a des moments, euh, ouais, les effets spéciaux, c'est 90-2000, il hein, faut pas trop. Hein. Aujourd'hui, on a des effets spéciaux, d'ailleurs, il y en a trop, aujourd'hui, les effets spéciaux, c'est insupportable. Euh, là, on est vraiment sur des effets spéciaux qui parfois sont un peu old school, mais ça passe, quoi, je veux dire, euh, c'est assez marrant. Il y, des... y a un côté un peu humoristique avec euh, O'Connell euh, qui la joue un peu. Euh crash machin, etc., c'est toujours euh, un peu le militaire, un peu <laughs> un peu bourru et tout, qui en va tirer dans le tas et pas trop réfléchir, vous avez Tilk qui était notamment, je crois, un, un, c'est justement l'acteur euh, afro-américain que vous voyez complètement sur la gauche, euh, qui, euh, lui, notamment, avait un goahoul, c'est-à-dire il, il avait une espèce de, de parasite dans le cou et tout, donc c'est assez cool, quoi. Franchement, il y avait... le lore est assez densifié, il va beaucoup plus loin que ce que vous avez dans le film, quoi. Euh... Oui, c'est ça, mais exactement. Ouais, c'est l'ambiance et tout. Enfin, franchement, c'était assez cool. C c et franchement, honnêtement, c'est faut quand même replacer aussi dans le contexte. À l'époque, euh, on se rend pas bien compte, mais à l'époque, à la télévision, des sagas de, de SF qui en avaient pas des masses. Moi je me rappelle de deux grosses séries de SF, alors après il y a eu Firefly, je ne sais pas si es, c'est pas sorti un petit peu après. Il y avait vraiment Stargate et G1 dans les années 90-2000 qui perçait beaucoup. Et moi je me rappelle aussi à l'époque de Quantum, euh, de Code Quantum. Mais en dehors de ça, après, bon, il y avait aussi les, Je crois que les Battlestar Galactica, je ne sais pas s'ils ne sont pas arrivés un petit peu après. Mais c'était pas, je veux dire, la, la science-fiction n'avait pas autant de succès que ça a aujourd'hui. Déjà parce que les budgets étaient un peu plus limités. Mais euh, aujourd'hui, ça a vraiment... Ouais, la musique du générique de Stargate, elle est... Euh et Masterclass, hein. euh, je crois que c'est euh... euh, John Williams, je crois qu'il a composé la musique, je dis pas de conneries, mais il n'y en avait pas énormément des... Euh... Oui, s'il y avait X-Files, il y avait de la durée mais... Alors, x files Côte-de-la-Durée, on pourra reparler après, c'est plus considéré un peu comme fantastique, euh... mais là, on est vraiment sur de la pure série de science-fiction, et, euh... et du coup, ça, ça avait l'avantage aussi que c'était un peu plus accessible, et un peu plus bon enfant euh, que les Star Trek, qui étaient un petit peu compliqués, lourds à regarder et tout... Puis Star Trek avait mal vieilli, tout ça, etc. Ça s'adressait à un public un peu plus, euh, un peu plus averti sur la science-fiction. Là, c'était très grand public. Je me rappelle que ça passait sur TF1. C'était un... la bonne vieille époque avec les Friends, tout ça, etc. Et ça, ça faisait vraiment. Et Code Quantum, c'était génial aussi comme série. Euh... Oui, il a fait effectivement X Files, comme tu dis, Shuckoig. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques séries comme ça, mais on, a... on était moins abreuvé de séries qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était vraiment en fait. Je me rappelle, moi, M6, ça les a vraiment porté cette série Stargate. Et euh, ça a quand même duré un paquet de temps, quoi. Donc, voilà. Donc si vous êtes fan de cette série et que vous voulez la revoir, vous l'avez à disposition sur Amazon Prime dès maintenant, et c'est compris évidemment dans votre abonnement Prime, et d'ailleurs, j'en profite au passage, si vous avez un petit Prime qui traîne, n'hésitez pas à le claquer directement sur la chaîne Twitch pour faire participer, alors je sais que c'est un petit peu compliqué les Prime en ce moment, parce que Twitch essaye un peu de le... <laughs> de foutre ça de côté, vous allez dans la partie abonnement en bas, vous cliquez, je crois que vous allez sur le deuxième onglet, euh, mode avancé, et là vous avez la possibilité de, de sélectionner votre Prime, si le cœur vous en dit évidemment, euh, pour soutenir la chaîne et soutenir le contenu que je fais. Euh, j'ai regardé il y a 15 jours, la série était encore payante. Ouais, euh, mais euh, logiquement, je crois que c'est euh, à partir du. Attends, si je reprends mes notes, c'est à partir du. Euh... Attends, est-ce que j'ai vu Du 11 avril! Et bien justement, merci beaucoup, merci beaucoup Léon pour le Prime, merci beaucoup. Donc c'est à partir du 11 avril qu'elle sera disponible en intégralité sur Prime Video euh, et qu'elle sera compris dans votre, votre abonnement. Donc c'est pas tout de suite en fait. Donc c'est pour ça qu'en général, euh, j'essaie de vous faire un petit peu les news à l'avance, comme ça vous avez un petit peu le, le petit, euh, comment dire, le petit tips euh, à l'avance du coup. Euh, par rapport à ça. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette, euh, cette news, un peu la news principale euh, de, la, euh, de la soirée. Euh, maintenant, si on continue sur euh, le reste des news, on va parler sur, euh, sur quelque chose d'autre. On va, on, on va aller sur un, un autre style un peu plus euh, bourrin, etc. Je vous ai parlé un peu de Ma Max Furiosa euh, la semaine dernière. On est un peu dans ce genre-là. Il s'agit de Borderlands. Alors là, c'est euh, les trailers et la bande-annonce de Borderlands... Borderlands 3. Je vais y arriver. Pour rappel, c'est un jeu un peu type shooter-looter extrêmement énergique, avec une notion de procédurale en fait, au niveau des, euh, des guns que vous pouvez looter. Il y a un côté un petit peu déjanté, on en avait parlé d'ailleurs sur l'émission, la... sur euh, qui allait avoir un film qui était en préparation sur Borderlands, qui fait peur, qui intrigue en même temps, à <laughs> voir Why Not. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, en sachant que le film Borderlands est quand même supervisé par les, les équipes de Gearbox. Et justement, pour rappel, au niveau de Gearbox. Et euh, ils ont été achetés pour 460 millions de dollars par les équipes de Tech2. Donc euh, c'est un rachat qui a été euh, un petit peu officialisé. Euh, donc vous avez euh, une fusion entre euh, Tech2 et euh, notamment Gearbox. Et ils ont prévu un petit peu d'accélérer euh, le développement des jeux de cette franchise. Euh, qui... Ils en ont quand même quelques-unes. Vous avez Borderlands, vous avez Homeworld. On avait déjà parlé sur la chaîne, il y a le 2, je crois, qui est sorti. Vous avez Doc Nokem. C'est eux qui sont derrière, euh, derrière ça, en fait, les équipes euh, de Gearbox euh, pour De Game et tout ça est inclus dans l'acquisition. Et justement, l'objectif, c'est de commencer le développement d'un Borderlands 4. Donc si vous êtes fan de la saga et de la franchise Borderlands, prenez un petit peu votre mal en patience, mais en tout cas, un nouveau jeu Borderlands est prévu. Et, et en développement, alors est-ce qu'il y a des fans ou pas de Borderlands Moi j'avais eu l'occasion euh, de, de m'y coller un petit peu, euh, je crois que c'était sur le... Il était en Dans un moment, il était accessible en, en version... Euh en version gratuite, je crois, sur l'Epic Game Store, ça me rappelle une news, je t'ai vu passer, t'en as parlé, du coup, équilibre sur X, sur Twitter, enfin j'en parle vite fait, notamment d'un petit jeu qui va bientôt être gratuit la semaine prochaine sur... ou qui est gratuit en ce moment, je crois que c'est la semaine prochaine qui va être gratuit sur... comment dire, sur l'Epic Game Store. Mais du coup, je sais pas si vous avez eu l'occasion ou pas de vous y frotter, mais franchement, ça défoule. On est vraiment dans le jeu un peu comme avec Mecha Break tout à l'heure... L'histoire et euh, le scénar est complètement déjanté, complètement barré. Parce Il y a vraiment un côté un petit peu humoristique, un petit peu décalé. Mais c'est rafraîchissant. Vous avez, vous voyez, cette espèce de. Comment dire, de, pour ceux qui ne verraient pas en podcast, hein, un, au niveau des graphismes, c'est vraiment du pixel. Je crois que c'est ça, du pixel shading, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc ça a vraiment une espèce de côté un peu. Euh, dessin animé mais comme si c'était crayonné au dessin donc c'est assez particulier il y a pas beaucoup de jeux qui sont dans ce style là euh, vous voyez des flingues par exemple qui euh... du cel shading merci beaucoup euh, du coup, de chercher le de chercher le terme donc c'est on va dire c'est vraiment un peu comme si vous aviez du dessin crayonné <laughs> ça lui donne vraiment une part artistique et je trouve que ça lui va plutôt bien en fait sur cette saga euh... sur cette saga borderlands voilà ce qu'on pouvait dire sur le développement du de Borderlands 4 qui est euh, en préparation et euh, du coup on va aller sur la prochaine et avant dernière news. Tiens, je vais peut-être en profiter vite fait pour vous en parler d'une autre news. Euh, hop, voilà parce que vous avez euh, le jeu. Alors je crois que c'est Outer Worlds. Ou Outer Worlds. J'ai un doute, tiens, c'est équilibre, t'es encore dans le... Euh, non, si, attends, je vais, je vais vérifier sur l'Epic Game Store, j'ai un gros foutu doute là-dessus. Je sais plus si c'est, la semaine prochaine, c'est Outer Wilds, ou Outer Worlds, qui, est disponible en... qui sera disponible en gratuit. Je voulais juste vérifier vite fait, deux petites secondes, que je n'y pensais à l'instant. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, euh... du coup, euh... tac, 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 tac... Euh, c'est Autor, euh, Autor World, je vais y arriver. Donc, c'est celui-ci en fait qui va être disponible euh, sur, euh, sur l'Epic Game Store. Vous l'aurez euh, à disposition euh, gratuitement. Alors, je vous montre la page, euh, la page de Steam, comme ça au moins vous voyez un petit peu le, petit peu le trailer. Ce jeu, si vous l'aviez raté, euh, il va être disponible gratuitement à partir de jeudi euh, de la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, ça sera à partir du jeudi. 4 avril, vous aurez pour une période d'à peu près une semaine la possibilité de récupérer le jeu Autor Worlds euh, gratuitement sur l'Epic Games. Or, C'est pas la première fois qu'il mettait à disposition gratuitement, il remet à disposition. Donc, si vous l'aviez grat... si raté, je vais y arriver. Sachez que vous pouvez un petit peu le récupérer par rapport à ça. C'est une petite liste que je vous glisse comme ça vite fait, parce que je sais que tu en avais parlé, équilibre sur, euh, sur Twitter et tout, et j'ai oublié de me le noter, et je me suis dit. Comme on reste un peu dans les jeux de, de science-fiction, euh, au moins euh, vous avez l'info si ça vous intéresse. Et euh, on va passer sur l'avant-dernière news euh, de la soirée, euh, on va parler du jeu Starship Simulator. Alors, qui a donné un petit peu des news, pour savoir que c'est un jeu qui est en développement par le studio Fleet Yard Studio, qui sera disponible pour l'instant uniquement sur Steam. L'objectif de Starship Simulator, vous servez un peu en tant que membre d'équipage à bord du premier vaisseau d'exploration spatiale profonde expérimentale de l'humanité. Rien que ça. Euh, votre vaisseau est chargé euh, de missions d'exploration de la galaxie, au-delà du système solaire, pour chercher des mondes habitables, et... Euh, qui sait, ils vont peut-être faire un crossover avec Planet Crafter après euh, Et vous découvrirez notamment, euh, cependant que la galaxie est un endroit vaste et mystérieux, avec des dangers inattendus, qui se cache dans l'obscurité. Et pendant l'exploration de l'espace, votre vaisseau nécessitera du carburant, de l'entretien. Euh, et plus de 200 membres d'équipage nécessiteront de la nourriture et des soins de santé. Et vous pourrez envoyer notamment des sondes à la surface des mondes extraterrestres que vous allez pouvoir. Alors je ne sais pas s'ils sont prévus d'être visitables ou pas. Et euh, une fois que vous allez envoyer ces sondes, vous allez pouvoir récupérer toutes sortes d'informations, d'échantillons intéressants. De la flore, etc., pour voir si effectivement le monde est habitable. Euh, et vous pourrez faire le premier contact avec toutes sortes de races extraterrestres générées de manière procédurale et négocier des relations pacifiques en naviguant soigneusement dans des dialogues à choix multiples. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée. Je me demande s'il n'y a pas une petite démo qui traînerait pas sur Steam. Euh, pourquoi je vous parle de ce jeu-là Pour faire très simple, pour ceux qui voudraient à peu près le speech de manière très simple, ça fait un peu du Star Trek. Vous êtes un peu sur du Star Trek. Ils ont prévu de faire de l'ingénierie, tout ça, etc. On va dire, c'est. Vous savez, dans Star Citizen, vous avez un petit peu, euh, comment dire, les... Euh... Et merci beaucoup, euh, Matimage. Merci beaucoup pour le sub. Pour le sub de euh, niveau 1. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bienvenue. Euh... Bienvenue justement dans la, la team. Il des... faudrait que je donne un nom d'ailleurs à, à, à ceux qui justement rejoignent un peu l'équipe entre les follow, les abonnements, tout ça, etc. Sur, sur YouTube, j'en profite d'ailleurs au passage, sur YouTube, vous avez également la même chose. Vous avez aussi le bouton Rejoindre sur YouTube qui est disponible. Où là, j'ai fait de manière raccord, j'ai mis exactement la même tarification qu'un sub-1 euh, sur Twitch. Comme ça, il y a, y a un équilibre euh, là-dessus. Et si ça vous intéresse de, euh, comment dire, d'encourager de, euh, la chaîne, n'hésitez pas là-dessus. Je reviendrai par rapport à tout ça au niveau euh, de l'argent tout ça etc. qui est généré au niveau de la chaîne c'est l'argent que moi je mets de côté ça me permet de payer des jeux tout ça etc. et vous faire découvrir des jeux euh, directement sur la chaîne quand malheureusement j'arrive pas à avoir des jeux à disposition euh, comment dire des, euh, euh, des des éditeurs pour les pour les faire tester parfois ça arrive malheureusement parfois les éditeurs répondent pas il euh, y a des fois je préfère aussi ne pas leur envoyer de message comme ça moi ça permet aussi de garder mon indépendance que forcément quand vous payez un jeu vous-même vous êtes plus apte à être euh, à, assez transparent sur votre test alors qu'il y a souvent quand l'éditeur il y a toujours cette suspicion en fait quand on, quand on vous envoie un jeu avec une clé gratuite il y a toujours cette suspicion de se dire ah oui on a envoyé la clé gratuite est ce que derrière c'est il, 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 comment dire il modère pas un peu son avis enfin, moi personnellement c'est pas mon cas mais il y a toujours cette petite suspicion là c'est un peu à ça aussi que sert l'argent par rapport à ça et ça servira aussi à améliorer un petit peu le contenu de la chaîne et tout au fur et à mesure du temps, et j'ai plein d'idées pour la suite, d'ailleurs, justement, euh, sur l'évolution de la chaîne. Mais juste pour revenir un petit peu sur euh, ce Starship Simulator, vous le voyez là, vous aurez la possibilité de vous balader dans le vaisseau, de faire un petit peu le gameplay ingénieur qu'il y a dans Star Citizen, sauf que là, c'est vraiment axé là-dessus. Euh, il me semble à revérifier, je crois, que euh, vous allez pouvoir peut-être y aller avec plusieurs joueurs, et il y aura peut-être également des PNJ. Au niveau des graphismes, c'est quand même. Plutôt pas dégueulasse, c'est plutôt joli, je trouve. Euh, je crois qu'il y avait H-Curse, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui avait peut-être dû le tester. Euh, il faudrait, euh, faudrait que je revienne vérifier s'il y a effectivement une démo qui est disponible ou pas sur, euh, sur Steam. Euh, mais bon, voilà, vous avez euh, ce jeu qui continue un petit peu son, euh, son développement euh, par rapport à ça. Et euh, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore de, de date de sortie. Bon, on va checker, tiens, vite fait, sur, euh, sur Steam. Euh, qu'on a dit, euh, Space Simulator. Oh, non, c'est pas ça, c'est Space Flight Simulator. Attends, je le vois. Non, c'est pas celui-là. Attendez, ah, c'est Starship Simulator. Là. Je vais y arriver. Starship Simulator. Voilà, ah il est a... là. Alors, ah, ils mettent en gratuit, mais pour moi, il n'est pas censé être gratuit. Hein. Ouais, c'est la démo voilà, qui est gratuite. <laughs> c'est la démo qui est gratuite, c'est Flyard, celui qui le produit. Et pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore de date de sortie, mais vous avez une démo qui est disponible. pour faudrait qu'on se la fasse d'ailleurs sur la chaîne. Euh, je n'étais pas à me dire d'ailleurs éventuellement en, en commentaire euh, ou même sur le chat si ça vous intéresserait que je vous fasse un peu qu'on le découvre ensemble tout simplement parce que c'est bien aussi. Je vous parle de plein de jeux, tout ça, etc. Mais c'est bien aussi d'ailleurs j'essaye de vous faire des lives un petit peu de temps en temps qui seront de plus en plus des dives découvertes de différents jeux et euh, ça pourrait peut-être être, être l'occasion un soir de découvrir <coughs> ensemble tout simplement et puis de voir ce que ça donne une game et de vous faire votre propre avis aussi en même temps que moi sur qu'est-ce que vaut ce petit euh, Starship Simulator qui est vraiment fait par un studio indé. Je pense que ça va quand même assez haut. Euh... Euh... Ouais, Joe Connuit, tu me dis... Euh... Alors, c'est fait sur Unreal Engine 5.3 et démo dispo sur Steam. Ah, c'est du Unreal Engine, quand même Ah oui Bon, c'est pas le dernier Unreal Engine. Euh... Mais du coup, c'est quand même fait sur du 5.3. Bah, c'est pas dégueulasse, honnêtement. Euh... mais écoute, ouais, ouais, je, je me le note. Ça pourrait être intéressant, peut-être, de se faire la petite, euh, la petite démo découverte euh, ensemble, du coup, directement euh, sur, euh, euh, en live sur YouTube et Twitch, en général, j'essaie de vous faire des lives un peu en simultané. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour cette euh, news. Et je voulais euh, vous parler euh, d'un film que j'ai été voir. Alors vous allez me dire, mais attends, c'est pas de la science-fiction, c'est pas du, de la fantaisie. Mais qu'est-ce donc cette diablerie Eh ben c'est du fantastique. Et je me suis dit, évidemment, j'avais commencé un petit peu à vous ouvrir la chaîne euh, sur la partie au niveau la fantaisie. Justement pour pouvoir mélanger un peu les genres entre fantasy et science-fiction. Et c'est vrai que je me suis rappelé, euh, notamment d'un diagramme que je vous avais déjà partagé, euh, qui est celui-ci, euh, qui est un diagramme que je vous fais rapidement, qui est un peu le diagramme de classement c'est quoi la science-fiction, c'est quoi du fantasy et du fantastique. Donc pour rappel, la science-fiction, ce sont des univers rationnels avec des phénomènes rationnels. La fantasy, ce sont un univers, et donc là. Univers rationnel avec des phénomènes rationnels, Star Trek. Ou là, par exemple, vous voyez euh, Starship Simulator, c'est ça. C'est de la science-fiction pure. C'est quelque chose qui est plausible, plausible techniquement. ou par exemple, vous avez en exemple, vous avez du cyberpunk. Euh... Euh, bah, notamment avec Cyberpunk 2077. Vous avez de la, de la science par exemple avec du 2001 au lycée de l'espace. Vous pouvez avoir des uchronies etc. Avec du Edge of Tomorrow pour ceux qui se souviennent le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Là on est purement dans la science-fiction. Maintenant si on part sur de la fantasy alors on va pas faire les intermédiaires. Hein, la fantasy vous êtes sur des univers irrationnels avec des phénomènes irrationnels. Donc là on est vraiment dans le pur imaginaire à 100%. Par exemple un peu comme le Seigneur des Anneaux, un peu comme ce que vous avez. Alors oui vous, vous donne euh, un peu comme les légendes aturiennes par exemple, euh, vous avez aussi du, des, euh, comment dire, des comédies, alors ils vous mettent les Monty Python, par exemple, Camelot là on est sur, du, sur de la fantaisie pure, euh, donc c'est vraiment des univers qui sont complètement imagés, fantasmés, qui n'existent pas, euh, donc il n'y a rien de plausible dedans, c'est pour ça que souvent, en général, les univers de fantaisie mettent beaucoup en avant les mages, la magie, tout ça, etc., parce que c'est très lié au domaine de la fantaisie, et vous avez l'exact opposé inverse, effectivement, euh, qui est le fantastique, pour l'instant je n'avais pas encore traité, parce que je voulais vraiment, pour l'instant, m'axer au début que ce sur la science-fiction après je sur la fantasy je me suis dit au final autant ils foutent le fantastique au-dessus parce qu'en fait les trois sont liés et souvent c'est très compliqué vu de l'extérieur euh, moi j'avais déjà fait le test au boulot euh, j'avais déjà des gens qui m'ont dit mais c'est quoi la différence entre la science-fiction et la fantasy et ils m'ont dit limite mais seigneurs et des anneaux c'est de la science-fiction j'avais <laughs> une collègue qui était à la machine à qui fait pardon <laughs> J'étais mort de rire j'ai vu Hydroclo si commence à se créer bah ouais je suppose c'est pareil quoi il y a des gens ils savent pas faire la différence bah, tout le monde n'a pas énormément aussi de, de connaissances et euh, surtout a peut-être pas vu énormément de films de ce côté-là. Donc c'est vrai, que, vu de l'extérieur, tu te dis, ouais, bah, en fait, ça n'existe pas, c'est bizarre un peu. Bon, bah c'est de l'imaginaire, je te ça dedans. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est vraiment des univers qui sont un petit peu dissociés. Et le fantastique, euh, c'est notamment les univers euh, qui sont rationnels avec des phénomènes irrationnels. Genre, par exemple, euh, clairement, ben euh, des films, par exemple, alors vous avez un peu de, de tout. Vous avez... Euh, vous avez rencontre avec Joe Black, vous avez destination finale sur de l'épouvante horreur, vous avez du saut so, du Freddy, vous avez les oiseaux d'Hitchcock, vous avez du fantastique avec du Dracula, du gore, du Frankenstein, etc., du Highlander. Clairement, Highlander, vous êtes dans un univers rationnel, vous avez des phénomènes surnaturels, un peu irrationnels, comme euh, genre la, la personne, bah, le mec, euh, un gars qui, qui est immortel et qui chope l'âme des autres. Il rien de scientifique là-dedans. Hein. On sait, on sait pas, peut-être qu'un jour ça va pouvoir se prouver, que ça va pouvoir se faire, mais ça ressemble vraiment, on est un peu, on vient un peu piqué dans la fantaisie, c'est pour ça que souvent c'est un peu compliqué d'arriver à manger les deux, et dans le tas, évidemment, vous avez l'excellent exemple, vous l'avez ici, qui est S.O.S. Fantôme, qui est purement du fantastique, mais vraiment à 100%, euh, par rapport à ça. Alors, j'ai une petite question, ça serait pas mieux, avec l'air, euh, de faire des chroniques sur des films qui vous plaisent, plutôt que sur des films qui ont été pénibles pour vous, ça par rapport à la dernière chronique Ah oui, alors ça, ça c'est une... Alors ça, euh, en fait, si veux, juste pour faire une petite, euh, une petite aparté, je... après je vous reprends le message également sur Youtube, parce que je vous en ai mis quelques-uns, euh, je laisse libre cours, en fait, aux chroniqueurs. Euh, le seul truc que je leur avais imposé à l'époque, je leur avais dit, évidemment, faire les chroniques en live, parce que je trouve que c'est mieux pour l'interaction c'est plus sympa euh, et en fait frisbee je lui ai dis au début il faisait beaucoup de news qui était axé énormément sur des petites astuces sur essais, tout ça etc et euh, non non pas de souci il y avait aucun problème Juste, justement les lives sont faits pour ça pour avoir des, des apartés par rapport à ça euh, là je remplace un peu la chronique de Laird, et en fait du coup euh, Laird à l'époque je lui dis bah écoute euh, moi j'aimais bien la façon dont il présentait etc et c'est lui qui m'a dit je veux faire un peu cet instant friction où il met en avant en fait un peu des films euh, qu'il l'a un peu déçu ou parfois des films qu'il a aimé donc en fait il est libre cours enfin il donne libre cours à son imagination là-dessus donc après c'est à lui de voir effectivement bon, au pire je t'inviterai peut-être à lui reposer la question du coup euh, la semaine prochaine quand il sera là présent sur la chronique de savoir si effectivement pourquoi il a choisi spécifiquement de, de faire des, euh, des chroniques plutôt sur des films où il aime bien être un peu piqué salé ce serait peut-être intéressant de lui poser la question je suis curieux d'avoir aussi sa, sa réponse par rapport à ça euh... Alors, du coup, si vous avez raté vos message sur le... sur le chat, Stargate Atlantis, ce univers, ça fait partie des... de l'offre sur Py. Je crois pas. Hein. Pour moi, c'est que Stargate SG. Hein. Oui, désolé, je pas vu ton message, long call et bienvenue à toi sur le stream. Euh, non, non, c'est vrai que j'ai enfin, précisé rapidement, mais c'était que Stargate SG. Hein. Ce n'était pas le reste. Euh... Les 4 Fantastiques. Alors, les 4 Fantastiques, c'est une très bonne question. Euh, les 4 Fantastiques, euh... est-ce qu'on est vraiment dans l'univers de. Là, du fantastique pur ou pas, c'est une bonne question je crois. Ouais ouais, je, je sais pas trop en fait. Là tu me colles en fait sur les quatre fantastiques. Ça pourrait effectivement faire partie du fantastique vu que le nom s'appelle les 4 fantastiques. Mais justement, ça me méfie un peu les de domination, parce que parfois c'est un peu, euh, c'est un peu. En fait, vous allez par exemple, faites un exemple. Allez à la FNAC. Regardez le, la section science-fiction. Souvent ils vont vous mélanger science-fiction, fantastique et fantasy. Ça m'énervait d'ailleurs quand j'étais gamin parce que comme j'étais euh, quand j'étais gamin et euh, j'avais beaucoup de mal en fait avec le, le fantasy et la, le fantastique parce que j'aimais bien avoir des, un univers rationnel avec des phénomènes rationnels parce que j'étais un peu euh, je faisais beaucoup des études scientifiques en cas d'effroi. Aime bien rationaliser les choses, c'est un peu le spock de service. Euh, et à chaque fois que moi je, je vous dis, il y a un truc qui m'avait traumatisé quand j'étais jeune, c'était Narnia. Et notamment, Narnia, vous avez au tout début, euh, vous ouvrez une espèce d'armoire magique qui vous donne accès au monde de Narnia, et là vous découvrez planté en plein milieu de la forêt un lampadaire, et vous apprenez que ce lampadaire a poussé parce que quelqu'un a fait tomber un bout de lampadaire et que bah, le lampadaire il a poussé tout seul. Alors quand vous avez l'habitude de faire de, de faire de la science-fiction pure avec des trucs rationnels, qu'est-ce que c'est que ce qui est Et ça me j'étais là je fais j'essaie de rationaliser le truc. Or qu'il a rien à se rationaliser là-dedans, c'est de la fantaisie pure en fait, c'est vraiment c'est un univers imaginaire. il y a rien à se rationaliser dans Harry Potter par exemple ou dans le Seigneur des Anneaux, c'est c'est pas la question de savoir pourquoi ils, ils font un nono pour se foutre sur la gueule derrière, quoi, c'est expliqué dans le lore, mais il a rien à rationaliser là-dedans, quoi. Et à l'époque, j'ai eu beaucoup de mal, sauf que maintenant, ça... évidemment, quand on grandit, on, on, nos goûts changent, et, euh, et j'ai eu l'occasion d'aller voir, euh, c'est pour ça que je vous parle de ça, euh, j'ai eu l'occasion d'aller voir euh, cet après-midi en avant-première... Euh, Ghostbusters Frozen Empire. Alors, pour rappel, c'est quoi Ghostbusters Frozen Empire Donc, il sort, je crois, mercredi prochain. Donc, ça, je peux vraiment vous donner mon avis en avant-première. Euh, vous avez euh, l'ancienne série des Ghostbusters, ce qui date des années euh, 80, si je ne dis pas de bêtises. Euh, avec notamment des acteurs assez connus. Donc, je ne vais pas vous les reciter parce que je ne me souviens plus tous les noms. Je crois qu'il y a. Euh, je, je vais oublier les noms d'ailleurs. Il y a plus de que moi là-dessus pour, pour ça, l'air. Euh, et euh, dans les années 80, il y a eu Ghostbusters avec une. Euh, une musique que vous avez forcément tous entendue euh, 50 000 fois. Euh, on appelle les Ghostbusters quand il y a un... Qui sait qu'on appelle quand il y a des problèmes et des phénomènes surnaturels Qui sait qu'on appelle quand il y a des problèmes et des phénomènes fantastiques Ghostbusters Enfin, c'est le truc classique. Cette chanson, elle était en boucle, je me rappelle, dans les années 80, c'était un truc de fou. Euh, et il y a eu dans les années 90, je crois d'ailleurs, un second film. Ah, cette musique, elle est cultissime. Et tu la retends d'ailleurs à la fin du, euh, à la fin du euh, de Ghostbusters Frozen Empire. Et, euh, ça raconte un petit peu l'histoire d'un groupe on va dire un peu perché un peu de marginaux scientifiques que personne ne croit, euh, qui euh, se mettent en quête de chasser un petit peu les fantômes. Et notamment, il y a une espèce de geek dans la saga euh, qui est... Alors je ne sais plus le nom exactement de la personne, je crois que l'acteur est décédé. D'ailleurs, ils font beaucoup de d'œil à cet acteur-là dans, le, dans, les, dans les nouvelles versions. Et en fait, euh, cet acteur était un peu le guide de service, et c'est lui qui met en place l'espèce d'arc de... électrique qui permet de capturer les, euh, les créatures, les monstres, en fait, les... enfin, on va dire plutôt les fantômes, parce que c'est vraiment des chasseurs de fantômes, comme son nom l'indique, et euh, les ectoplasmes, et de les emprisonner dans une espèce de petit caisson pour faire en sorte de, euh, bah, que, les, euh, que les gens soient tranquilles. En gros, si vous voulez, c'est un peu comme chez vous, vous avez un problème de rat, <laughs> vous avez un problème d'abeille, ou un, un problème d'abeille, un problème de guêpe, bah, vous appelez un hein, dératiseur ou un désabeilliseur, je ne sais pas comment ça se dit, euh, des désinsectiseur, enfin bref, vous avez compris. Bah, là, c'est pareil, vous avez un problème de fantôme, et bah, vous appelez les Ghostbusters. Et le film était à mourir de rire, parce qu'il y avait un côté un peu fantastique, comique, tout ça, etc., euh, complètement décalé. <laughs> c'est tu as, as raison, du effectivement, c'est du Pokémon à le alors, alors, ils évoluaient pas, les, euh, jamais vu les, je les ai jamais vus évoluer. Ah, quoi que, quoi que tu me mets un doute, Non. <laughs> Mais moi ça, effectivement. Et puis il y avait la fameuse phrase que vous avez peut-être déjà tous entendue hein, pour ceux qui ont la, la ref et tout. Euh, je vous la fais, c'est ne jamais croiser les effluves parce que dans le film d'origine, ils disent que si tu croises les effluves parce que c'est vraiment des espèces de rayons un peu instables, des rayons ionisants ou je sais plus trop quoi, c'est son Cpt Sauf qu'à la fin d'un des films, ils croisent les effluves justement pour que ce soit plus puissant et qu'ils puissent attraper euh, l'un des démons. Et pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a eu un... Alors, on va faire très vite. Il y a eu une tentative, mais pourrie foireuse, de faire un, un équivalent euh, de Ghostbusters féminin, euh, qui était la pure idée du monde. Pas parce que, justement, c'était euh, le fait de mettre des femmes, hein, c'est pas du tout le problème. C'est plutôt l'image qui donnait de la femme qui était un peu... Euh, qui m'a exaspéré. Mais le film était bourré de black potage de merde. Enfin, c'était une catastrophe. Le film, franchement, il y a eu une. Euh, je crois qu'il date de 2016, si je dis pas de bêtises. Le regardez pas, ça vaut pas le coup. Il a même été ruiné par, la... <laughs> par tous les fans de Ghostbusters, moi le premier. Parce que je... le, le film était un quoi. C'était dégueulasse. Bref, il n'y avait aucun intérêt. Et du coup, euh, la licence étant détenue par Columbia et par Sony Pictures, il y a eu un espèce. de, Alors, on ne peut pas dire un reboot, mais plutôt une suite un peu spirituel, au premier film, parce qu'il était censé y avoir un Ghostbusters 3 qui n'a jamais été tourné, il y a eu un jeu vidéo Ghostbusters euh, qui se basait notamment d'ailleurs sur le fait que les Ghostbusters allaient former une nouvelle équipe de jeunes, tous, etc., avec un, un espèce de, comment dire, de New York, euh, qui avait une face, euh, vous savez, un peu comme dans Stranger Things, une face un peu, euh, un peu normale, une face un peu sombre, un peu un univers parallèle inversé sombre. Ça c'était, je crois que dans un des jeux, si vous retrouvez le nom du jeu, euh, de euh, comment dire, euh, euh, comment dire, euh, si vous retrouvez le nom du jeu Ghostbusters qui avait fait ça, mais il y, y avait cette histoire-là et ça devait servir de base pour le nouveau film et il y a eu un reboot, enfin un peu une suite avec une première version qui s'appelait Ghostbusters Legacy que franchement je trouve qui est génial. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous êtes fan de Ghostbusters. Il c'est pas trop de fan service, ça passe franchement. Euh, c'est en fait une équipe qui redécouvre un peu complètement par hasard euh, tout, toutes les, euh, tous les artefacts un petit peu et comment dire les, euh, euh, tout ce qu'il y a autour de, de l'univers de Ghostbuster. Et ils reprennent un peu le flambeau euh, par rapport à ça. Vous avez évidemment forcément les anciens qui arrivent. Je vous rassure tout de suite, c'est beaucoup mieux fait que dans Jurassic World 3. Hein. C'est Dangerous. Six World 3, ça avait été une catastrophe avec la nouvelle équipe qui avait réuni l'ancienne, enfin, c'était horrible. Donc là, c'est très très bien fait, en fait. Tu sens vraiment, bah, ils accusent l'âge, hein, les acteurs d'origine. Il y a un petit, je vous laisse le découvrir sur la version euh, Ghostbuster Legacy, il y a un petit clin d'œil à l'un des acteurs qui est décédé, je trouve que le clin d'œil est génial. Franchement, respect pour le clin d'œil qu'ils ont fait. Parce que euh, franchement, il fallait le tenter. Je vous, je vous laisserai aller voir le film. Hein. Je, vous, je vous spoil pas. Il est euh, disponible d'ailleurs. Euh, Ghostbuster Legacy, il est disponible. Vous l'avez en vidéo à la demande et tout. Vous pouvez l'acheter. Euh. Je ne sais pas il est disponible sur des plateformes d'ailleurs. Euh, Peut-être euh, Amazon, tout ça, etc. En gratuit. Je ne sais pas du tout. à ah, voir. Je vous laisserai vérifier sur Netflix et ainsi de suite. Et euh, du coup, on savait qu'ils allaient faire une suite. Et la première suite, ça été Ghostbuster Frozen Empire. donc Pour résumer le film, Frozen Empire, ça se passe à New York. Ça se passe quelques années après euh, le Ghostbuster. Legacy, ça commence tout simplement, je sais pas trop où se trouve l'histoire, hein, ça commence tout simplement par le fait qu'ils bah, ont repris un peu le flambeau euh, des anciens Ghostbusters, mais les anciens Ghostbusters sont toujours là, puisque eux, euh, notamment un, je crois le lecteur afro-américain, je sais plus comment il s'appelle, a créé un peu la Ghostbuster Corp, je ne rigole pas, euh, qui est un peu l'espèce de Ghostbuster Company en background, euh, qui prévoit un nouveau laboratoire, euh, un petit peu, comment dire, en, en background, je n'en dis pas plus pour le reste de l'histoire. Et, euh, et du coup, ils vont un petit peu céder et euh, s'entraider pour aller euh, combattre un espèce de, de démon ancestral qui a le, la capacité de gérer Enfin de comment dire, de capitaliser vos peurs et de euh, tout euh, congeler sur place. Alors, pour faire simple, le film est vraiment très bien. Ça, euh, franchement, on passe à vraiment un gros bon moment. Je ne sais plus combien de temps il dure. Le seul petit défaut que je peux lui reprocher, c'est qu'il est que il a un tout petit peu loin à se mettre en place. Là, franchement, un bon tiers ou un bon deux tiers du film, c'était un peu long. On sent que c'est un peu long, c'est un peu laborieux etc. Parce que vous le voyez sur l'affiche, il y a énormément de personnages. Ils arrivent à mettre un petit peu en place tous les personnages, avec chacun un petit peu son, comment dire, son identité. Alors, pas tous à 100%, évidemment, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas le temps, qui sont un peu des personnages secondaires. On sent qu'il y a l'ancienne équipe qui est un peu en background, qui vient aider, donner un peu sa patte, technique et scientifique et la nouvelle équipe qui prend le relais justement l'ancienne équipe vous avez Bouftou hein, qui est présent là qui est clairement une espèce de petit clin d'œil une espèce de petit euh, euh, comment dire Ghostbuster vert euh, qui est un peu en clin d'œil des, des anciens Ghostbusters vous avez les petits bubenom Chamallow hein, que vous avez peut-être dû voir aussi sur les euh, euh, sur les trailers euh, le fan service est présent mais il est... franchement ça passe c'est euh, il y a j'ai vu une ou deux scènes qui est un peu du fan service mais ça va encore. C'est pas catastrophique. Le seul truc, c'est que c'est un peu mou et un peu lent. Mais je pense qu'à mon avis, s'ils ont fait ça, c'est pour une simple et bonne raison c'est qu'ils ont prévu euh, un petit peu une suite euh, par rapport à ça. Alors, déjà, c'est sûr, parce qu'à la fin, vous avez évidemment une scène post-générique que je vous invite à, à regarder, euh, qui est juste un petit peu. Euh, euh... Non, ils n'ont pas, rendu... <laughs> pas rendu la voiture électrique. <laughs> ils ne le précisent pas, d'ailleurs, dans le film. T'as pas spécialement de précision là-dessus, mais as une, as une moto d'ailleurs aussi qui représente. Je me souvenais pas du tout d'ailleurs. Non, pour moi, c'est vraiment le vieux corbillard, parce que là-bas, c'est un corbillard qui a été retransféré, en, retransformé en, en truc de chasseur de fantômes. Je crois pas que. Non, il me semble pas. non Tu le vois pas, elle en voiture, écrit. <laughs> elle écrit. voiture, elle écrit, ça a été drôle. Euh, mais du coup, ouais, donc il y a. Et en fait, l'histoire de la Ghostbuster Corp, ça sous-entend évidemment derrière qu'il va y avoir des suites. Alors, je pense qu'il va y avoir des suites en film qui sont prévues. Il est prévu, de ce que j'ai compris aussi, une série sur Netflix. Alors là, je vous rassure tout de suite, c'est une série d'animation. Vous faut savoir qu'il y a une très ancienne série d'animation sur Ghostbusters, euh, qui avait eu plutôt pas mal, d'ailleurs. Tu fais le taf. Euh, donc il est prévu une suite, enfin il est prévu une série sur Netflix, et il est prévu un nouveau jeu vidéo Ghostbusters. Alors pour l'instant, pas trop de dates de sortie, hein, je vous en dirai plus sur l'actualité la, euh, sur la, sur euh, fan quand, quand j'aurai des infos là-dessus. En tout cas, je pense qu'on va en entendre parler de cette, euh, cette licence un peu plus. J'espère juste qu'ils ne vont pas nous les soirer dans tous les sens, hein, que ça ne va pas faire comme toutes les euh, sagas où euh, ils vous pressent ça comme un citron, et à la fin, euh, la saga, vous pouvez en vomir dans tous les sens. Mais franchement, honnêtement, j'ai passé un super bon moment, ça se regarde en fermée fait tranquille le coule... Je sais pas si d'ailleurs le... Je sais pas, si... il me semble pas que... Euh... Bah, en fait, ça dépend comment c'est fait, tu vois. C'est toujours le problème. Ça dépend comment c'est fait, les suites. Euh... Pour moi, il faut pas abuser, en gros. Si tu veux, il faut vraiment que ça porte un intérêt. Moi, je suis partant pour la suite, mais je suis du même avis, en fait, que les gens de chez Pixar, euh, qui disaient en fait, euh, quand ils ont été, ils ont fait des associations avec, euh, avec Disney, ils ont dit, nous, on veut bien faire des suites, je prends l'exemple de Toy Story, que si on a vraiment une histoire à raconter, s'il y a vraiment un intérêt à l'histoire. Moi, ce qui me gêne, c'est quand il y a des suites juste pour faire du pognon et du buzz. J'espère pas que Ghostbusters va surfer là-dessus. Alors, juste pour rappel, Ghostbusters, quand on était jeune, mon Dieu, que des produits dérivés, il y en a eu. C'était comme Jurassic Park, ça allait Non. L'essence. Vous en avez encore d'ailleurs, la voiture Playmobil Ghostbuster, elle existe encore. Hein. Vous pouvez la trouver. Je crois que chez ma fille d'ailleurs, qui doit l'avoir euh, là-dessus, euh, s'éclater dessus. Enfin, les grandes, maintenant, donc elle euh, pu l'utiliser. Je vais peut-être la mettre derrière en, en élément de déco. D'ailleurs, ça pourrait être rigolo. Euh... Mais du coup, je ne sais pas. À voir. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est l'histoire de la Ghostbuster Corp, tout ça, etc. Mais ça peut ça peut-être, peut si ça peut étendre l'univers, si ça peut te faire des... des trucs un petit peu différents. Moi, je verrais bien, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh... D'une série qui était vraiment pas mal. Hein. Moi, j'avais bien aimé. Était euh, celle-ci. Euh, je vous la mets, du coup, directement, là. Poète, euh, poète, 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 poète. Qui était... Euh... poum. Warus 14. Euh, L'Anthropo 13. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette saga. Parce qu'on pourrait avoir des images un peu plus... Euh, moins moches que ça. Euh, je vous mets un peu les trucs ici. Bon, on va prendre celle-là, comme image de, de présentation, peut-être un peu moins moche. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'entrepôt 13, là, on était aussi également dans du, sur, du, du, du fantastique, un peu comme... Euh, euh, oui, c'est vrai que ça sert un peu aussi le plancher. Bon, on va être honnête, hein, euh, genre les mecs, euh, <laughs> ils ont une licence, ils ne vont pas la faire crever. Ouais, non, et en fait, c'était l'objectif de, de Warhaus Sorting, c'était du style, vous aviez alors un peu à la X-Files, vous aviez une équipe qui étaient dépêchés euh, pour aller choper des artefacts un peu partout, aux états unis je crois même à l'étranger, si je me rappelle bien. Euh, ils étaient deux, donc ça faisait un peu le tandem, Bulder Scully, il hein, fallait pas se le cacher, ils avaient un peu repris ce truc-là. Et leur objectif, c'était de récupérer des, cent... des artefacts qui étaient un peu... Magique et parfois un peu dangereux, et de les entreposer dans un espèce d'entrepôt un peu aussi magique, qui scellait ces trucs-là pour éviter que ça foute un peu la merde. La série était très bien, franchement, elle faisait vraiment le boulot. Et honnêtement, quand j'ai vu cette histoire de. Je vous laisserai aller voir le film, mais quand vous avez cette espèce de, de nouveau laboratoire, il y a un peu de ça, quoi. Il y a un tout petit peu de ça. Donc je me dis, à mon avis, que ça peut sentir éventuellement euh, de sortir un peu de Manhattan, de peut-être aller un peu plus loin. Et surtout, en fait, moi ce que j'aime bien dans les Ghostbusters, c'est qu'il y a un tout petit peu un côté, vous savez, un peu comme les Indiana Jones, où parfois ils vont un peu chercher, alors un peu moins que les Indiana Jones évidemment, un peu le côté, vous savez, historique, où ils essaient de justifier un peu le monstre avec un petit lore, tout ça, etc. S'ils pouvaient juste comment dire, euh, étendre un peu plus ce genre de... de euh, comment dire, de lore là-dessus, ça pourrait être pas mal. Mais évidemment, forcément, oui, comme tu dis je on va pas se cacher que c'est aussi pour le pognon, il hein, faut pas... Il euh... n'y a pas une autre série équivalente avec le même principe, ça me revient pas, euh, du coup de Worlds 14 bon, euh, T'avais X-Files, mais X-Files c'était plus des, des dossiers euh, des dossiers classés, euh, tant était dessus, il n'y avait pas d'artefacts particuliers et tout. Euh, une autre série dans le même sens que Worlds 14, ça me dit rien. Euh, L'idée, on la trouve dans le jeu Control. Oui, 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 effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée -là aussi également dans le jeu Control. Euh, je crois d'ailleurs, Control, ils ont prévu de faire une suite. Mais du coup, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour, euh, comment dire, pour ce petit Ghostbuster. Honnêtement, je vous invite vraiment à aller voir. C'est un très bon film. Vous passez un très très bon moment. Je vous dis juste le seul défaut que je trouve, c'est que ça met un tout petit peu de temps à se mettre en place. Et que toute l'action se concentre un petit peu à la fin. Mais au moins, il y a un côté un peu euh, psychologique de certains personnages. Franchement, bah, c'est pas non plus film du siècle. Hein. Pas... Vous n'êtes pas, euh... pas en train d'aller voir un Nolan. Hein. Vous n'allez pas vous retourner le cerveau. Hein. Les Ghostbusters, ça n'a jamais été le but. C'est vraiment un film familial. Il euh... y a un petit côté humour, avec des petits trucs d'humour qui étaient assez marrants. Euh... Peut-être un peu moins que dans les premiers films des années 80. Évidemment, il y a la petite musique à la fin, forcément. De la musique euh, mais voilà du coup ce qu'on pouvait dire pour cette, euh, sur cette partie au niveau euh, de l'actualité euh, science-fiction fantastique maintenant et fantasy de la semaine. J'espère que ça vous a plu au moins. Par rapport à ça, j'ai passé un petit peu toutes les news. Il y a une seule news que malheureusement j'ai pas eu le temps de passer, je n'ai pas trouvé d'infos dessus. Euh, C'était euh, les news sur Elite Dangerous. Parce qu'il y, un... y a eu un petit live qui a été fait côté de Je sais qu'une fois quelqu'un m'avait mis un commentaire en... en stream sur une de mes vidéos pour me dire oui tiens ça serait bien, j'aimerais bien avoir des news et tout sur les Jourro. rouges, je sais qu'il y a MRIX qui fait des, des news là-dessus. Je ne vous ai pas fait de news dessus parce que bah, j'ai rien trouvé de concret. Il fallait que je me tape les 45 minutes, une heure de, de vidéo de... de Frontier Unlock. J'avais pas spécialement le temps dessus. Je ne peux pas tout faire, hein. je suis obligé de faire un peu de sélection aussi dans les news. Mais de toute façon, dans tous les cas, je le rappelle toujours, si vous-même, vous avez vu une news intéressante. Vous avez le Discord. Vous pouvez le rejoindre. Ça peut permettre de prolonger un petit peu le débat aussi euh, en dehors des lives par rapport à ça. Le Discord évidemment est fait pour ça. En plus de pouvoir jouer sur différents jeux et euh, aussi euh, de partager éventuellement des, des petits tips si vous avez vu une news intéressante euh, qui pourrait rentrer dans le cadre de la de l'imaginaire à la fois de la science-fiction, du fantasy, du fantastique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour les news de la semaine. Je vous rappelle pour, euh, pour la semaine prochaine, euh, maintenant mon objectif c'est un petit peu, euh, comme ce que je vous ai dit, c'est euh, progressivement euh, de me détacher un petit peu de Star Citizen, mais plus d'être focus à 100% dessus. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de news cette semaine sur Star Citizen, J'ai pas fait de vidéo du coup sur les ISC, sur les euh, Star Citizen Live, tout ça, etc. Pourquoi Parce qu'en en fait pour moi Star Citizen aujourd'hui va devenir un peu un, un jeu à suivre, comme tous les autres jeux, comme je vous fais des news sur euh, No Man's Sky, des news sur. Euh, euh, comment dire sur. Euh, sur, euh, sur Starfield. L'objectif maintenant de la chaîne, c'est vraiment en fait d'être un peu plus une chaîne axée. Mon, mon objectif vraiment, je vous le dis. C'est de faire en sorte de donner sa place aux jeux vidéo euh, dans le domaine de, de la science-fiction, fantasy, fantastique, au même niveau que les films, les séries. Je, en fait, je, pour être tout à fait honnête, souvent quand je regarde des, des, des podcasts, ou quand j'écoute des émissions, etc., ou des trucs, ou même quand je vois des. Euh, comment dire, des, euh, à, des, des festivals hein, qui sont organisés sur de la science-fiction et tout, souvent, en fait, le, le jeu vidéo est jamais mis au même niveau. Que les films et les séries. Et je trouve ça dommage, parce que je ne vois pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le jeu vidéo ne pourra pas avoir sa place dans n'importe quel média culturel et euh, le mettre au même niveau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les univers, c'est les ambiances, euh, c'est euh, visiter un peu ces univers, ces ambiances, vous partager un petit peu tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de faire ça de manière large sur cette thématique de science-fiction, fantastique, fantasy, et évidemment sortir de Star Citizen et pas que vous faire ça. Donc après, c'est vrai que ça peut, il y a, un... c'est vrai qu'ils vont dire, ah ouais, mais il va plus faire des news sur Je Station, j'en ferai. J'essaierai peut-être d'en faire une fois tous les 15 jours, peut-être tous les 3 semaines et tout, mais ça a pu être la news principale. Donc si malheureusement vous vous attendiez à avoir du Star Citizen toutes les semaines en vidéo, je précise, hein, euh, vous allez être déçu parce que je vais en faire de moins en moins. Par contre, évidemment, forcément, pour continuer à regarder un peu le lien avec Star Citizen, vous aurez toujours l'actualité de Frisbee qui sera évidemment en avant-première sur cette émission tous les week-ends. Euh, C'est un petit peu l'objectif au niveau de l'émission, euh, l'émission fan euh, De garder un petit peu le lien par rapport à ça. Mais derrière, de continuer un peu à étendre là-dessus et l'objectif, le next step, euh, c'est... Euh, oui, ça donne aussi clairement plus de possibilités parce qu'il faut être honnête aussi, en fait, le, le gros problème qui est, c'est, en dehors, on ne va pas revenir sur les débats de passion versus raison machin etc je vais pas me radoter 50 000 fois par rapport à ce qui a déjà été dit sur les dernières vidéos et euh, sur le débat qu'on a pu avoir euh, lundi là-dessus euh, c'est euh, honnêtement clairement en fait c'est bien Star Citizen c'est un super bon jeu tout ça etc mais le problème moi ce qui m'intéresse vraiment vous voyez c'est de c'est au-delà de ça c'est de partager aussi avec des gens de rencontrer des gens et c'est ça justement que je voudrais vous faire pour le next step sur la prochaine étape je suis en train de vous le dire je, je prépare clairement à vous faire une bonne émission euh, encore plus euh, chiadée en fait et tout avec une grosse thématique. Euh, donc là, je vous en dis pas plus pour les prochaines thématiques, mais c'est une grosse émission qui va devenir d'ailleurs l'émission qui va s'appeler l'After Geek. Si vous vous souvenez que vous suivez un petit peu toutes les semaines euh, l'actualité de Sci fan euh, souvent ça m'est arrivé un petit peu de temps en temps, vous voyez, en fin d'émission, de, en fin euh, de faire un peu une news, vous savez, un peu geek, où on, on passait en revue des, euh, des trucs comme la sortie d'un Cybertruck, ou par exemple ça nous arrivait sur l'actualité de la science-fiction, de parler par exemple de... Euh, euh, des, euh, des NFT crypto par exemple de parler notamment de l'IA, euh, de l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle. Il y a eu une émission, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, je vous remonte vite fait ça euh, sur, la, sur la chaîne. Euh, du coup, pom, 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 pom. Euh, histoire que vous compreniez un peu aussi, que je vous fasse partager un petit peu le, comment dire, le, euh, les idées que j'ai derrière par rapport à l'évolution euh, de la chaîne. On va se mettre là. Hop, on va virer cette partie-là euh, au niveau du truc parce que c'est plus d'actualité. Vous voyez par exemple ici, si je remets euh, là-dessus... Vous voyez, vous avez deux gros podcasts que je vais mettre en avant celui que vous êtes en train de regarder, l'actualité sci -Fan et l'After Geek. Et dans l'After Geek, si vous regardez bien, on a eu l'occasion alors déjà, c'était il y a à peu près un an, on avait fait C'est quoi la science-fiction on avait débattu. On a eu l'occasion J'ai eu l'occasion notamment de, de faire venir Euclide, que je salue d'ailleurs au passage, euh, qui a été sur C'est quoi Star Atlas il nous avait un petit peu expliqué le jeu Star Atlas et tout ce qui était la, les gestion des NFT, des crypto de d'arriver dans les jeux. J'avais eu l'occasion de faire une interview notamment avec euh, l'un des community managers de, du studio euh, Supercube qui avait fait The Pioneer j'avais fait venir notamment une de mes connaissances qui avait fait des développements de jeux vidéo et qui vous expliquait un peu il avait fait des démos etc et tout euh, sur je sais pas si vous vous souvenez euh, il avait fait des démos un petit peu sur euh, euh, juste là je vais y arriver où c'était à la fin voilà c'était ici euh, GameTech Tech qui nous avait présenté un petit peu des euh, euh, comment il concevait un jeu vidéo etc par rapport au jeu qu'il avait développé il nous a fait un petit peu une démo en ligne c'était super intéressant et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a vu aussi également. Euh... Euh, bah tiens, en plus, là, on parle de Je suis une légende et c'est en son petit poil la chronique de l'air. Euh, vous voyez, ça déjà il y a un an cette chronique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh... j'avais été contacté notamment par, euh... par une... une équipe qui avait tourné un film euh, qui s'appelait le film 13-13. Et, euh, et notamment, ils étaient venus, ils nous avaient présenté un peu ce qu'ils avaient fait, tout ça, etc. Et c'était super intéressant l'interview. Et c'est ce genre de truc que je voudrais arriver à vous faire une fois par mois. De trouver justement comme ça des contacts et tout pour vous les interviewer, faire un petit peu des émissions. Et parler toujours, effectivement, euh, du jeu vidéo. Peut-être même, ça peut... Vous pouvez avoir des débats, hein, parce que, par exemple, prenons les thématiques de la science-fiction, de la fantasy, encore plus de la science-fiction, souvent, derrière, avec la science-fiction, vous avez un peu des débats de société, vous avez des débats, par exemple, sur l'écologie, vous avez des débats, notamment, vous prenez Cyberpunk, vous avez des débats, par exemple, sur le, sur le côté, le transhumanisme, donc il y a énormément de débats qu'on peut faire là-dessus, et ça, c'est que bien arriver à faire ça une fois par mois, avec des invités et tout, et vraiment un petit peu élargir, et vraiment, en fait, avoir cette chaîne, ou d'un autre côté... Je vous garde le lien euh, avec des live gaming où je vous fais découvrir des jeux science-fiction, fantastique, fantasy, où on se fait ça ensemble tranquillement en stream et tout. Euh, je vous fais des petites vidéos d'Actu News, euh, comme je fais habituellement sur euh, Star Citizen, Starfield et ainsi de suite, No Man's Sky, et d'autres jeux, comme je l'ai fait sur Unchwilled. Et à côté, on se retrouve tous les week-ends pour euh, cette émission de, de science-fiction et fantasy et fantastique. Et une fois par mois, on se retrouve pour une émission spéciale. Donc voilà un petit peu, en fait, si vous voulez, sur 2024. Ce que je voudrais arriver à faire au niveau de la chaîne. Et enfin, euh, j'espère que ça va vous plaire. Euh, que ça va vous proposer un contenu un petit peu différent. Parce que moi j'aime bien en fait si vous voulez partager avec les gens, échanger et tout, etc. Là on est en train de préparer avec une... Alors pour l'instant je vous si pas, je vous dis rien, mais une, une bonne émission. Mon sujet, je pense, quoi, euh, devrait vous intéresser et devrait surtout vous interpeller par rapport à ça. Et euh, c'est un petit peu l'objectif. Et vous voyez, par exemple, si on revient, euh, on avait fait une émission, notamment, par exemple, voilà, sur, le, sur la l'IA, et il y avait notre, euh, On a vu euh, Flord du Web, d'ailleurs que je salue au passage, qui était intervenu sur la chaîne, qui était une graphiste, qui nous avait expliqué un peu l'impact de l'intelligence artificielle. On peut le faire également sur, les, euh, sur la notion des jeux vidéo. Donc il y a énormément de choses à faire. Vous voyez, on a eu un petit débat notamment sur le, sur le métavers, vous voyez, ici, avec Euclid, qui nous avait fait toute une une présentation et des démonstrations sur euh, sur la VR et, et tout ce qui euh, tout ce qu'il y a derrière donc il y a énormément énormément de choses qu'on peut débattre faire des thématiques et tout axé sur la science-fiction axé sur les euh, comment dire sur les, les nouvelles technologies etc de manière large une fois par mois et garder un peu cette thématique euh, de news que je vous fais régulièrement sur ces différents types de jeux donc, voilà un peu pour vous donner un peu le le ton euh, de la chaîne en 2024 j'espère que ça vous plaira donc évidemment forcément bah, si vous étiez là pour voir que du full Star Citizen H24, bah, désolé pour vous, ça m'a un peu changé. Les goûts changent aussi. Hein. Pas que je veux m'éloigner de Star Citizen, mais c'est juste que du coup, au bout d'un moment, euh, bah en fait, euh, s'enfermer dans un truc, etc. Fin... Je, je, à part interviewer des développeurs au bout d'un moment. Moi, honnêtement, je, quand j'avais regardé ces émissions, tout ce qu'on avait fait, du coup, et tout ce qu'on avait mis en place. Enfin, tout ce que j'avais mis en place et tout là-dessus. Là euh, franchement, honnêtement, euh, je m'éclatais beaucoup plus à vous faire ça euh, que de faire de la news sans arrêt sur RC en permanence. Mais c'est pour ça que je tiens quand même à vous. Euh... Garder le lien en fait sur l'actualité de la science, enfin de Star Citizen, avec euh, les news de Frisbee. Voilà un petit peu pour ça. Semaine prochaine, euh, demain soir, j'ai pas prévu euh, spécialement quelque chose demain soir. Euh, J'avais un petit jeu à vous faire découvrir. Euh... Donc je vais voir si ce sera peut-être celui-là ou si on se partira peut-être sur un, un petit euh, Starship Simulator. À voir. Euh, J'essaie de voir si, euh, effectivement, les lundis soirs, j'arrive à vous faire un petit live gaming découverte. De toute façon, dans tous les cas, je vous posterai le truc. Et, euh... Euh, à, à quoi je joue en ce moment Là, tout de suite, là j je vais être tout à fait franc. J'ai viré euh, Star Citizen. <laughs> j'ai réinstallé Starfield. Je ne déconne pas. <laughs> Parce que j'ai envie de refouler les pieds dedans pour voir ce que ça va donner avec les nouvelles mages. J'ai encore ce foutu SSD de 512 Go qui est plein à craquer où j'avais Helldivers 2. Euh, j'avais euh, j'avais comment dire euh, no man's sky euh, euh, j'avais quoi dessus dessus de oui je sais vous allez pouvoir me tuer j'avais skeleton bones euh, j'avais autre chose dessus aussi également, j'ai d'autres jeux en fait sur mon disque externe, euh, mais le SSD il était un peu il était un peu soft, un peu machin, et puis là là en ce moment comme j'avais envie un, un peu de changer, et puis bon, euh, sur Star Citizen on tourne un peu en rond, on va attendre la 3.23, il y a pas grand chose à faire. Enfin, franchement les missions Overdrive, euh, c'est pas le truc qui me passionne le plus. Hein. Je, je vais être franchement honnête avec vous, les missions Overdrive j'en ai fait... Euh, j'ai fait la première, c'était un copier-coller des bunkers en Data Haste, et la deuxième c'était du combat spatial avec boum et tu as une Crypto -key et tu te balades à l'autre bout du système. Je fais waouh, wow, c'est pas le truc le plus passionnant du monde, quoi. Donc du coup, j'ai préféré me relancer un petit peu, euh, un petit peu du Starfield, histoire 2. Donc en général, oui, j'aime bien. Et puis ça me laisse le temps aussi de ne plus avoir cette, euh, ce carcan en fait de vouloir faire de la news RSA en permanence. Ça me laisse aussi le temps un petit peu de me retrouver pour jouer aussi un petit peu dans mon coin, apprécier le jeu vidéo. Parce qu'il faut le savoir, hein, quand vous faites du stream et de la création de contenu, vous n'avez pas nécessairement le temps de vraiment apprécier les jeux. Quand vous les faites en stream, vous n'y jouez pas comme si vous étiez dans votre salon. Il hein. faut animer tout ça, etc. Vous ne pouvez pas rester comme ça pendant trois euh, plombes. Et vous dites rien. <laughs> ça marche pas. Donc euh, du coup, on ne s'apprécie pas un jeu de la même manière. Quoi. Ah, euh, euh, Squadron 42, ça pourrait être... C'est marrant, t'as marqué Squadron 42, et mon cerveau, il a lu l'escadron 42. C'est bizarre, ça. Il euh, y a des rumeurs qui parlent d'un... premier ou troisième trimestre, je en 2025. Je pense qu'à mon avis, on en sera plus à la CitizenCon. Clairement, je pense qu'à la CitizenCon, je les vois bien faire la, la dernière annonce sur Squadron 42 avec, euh, comment dire, une... Une, une annonce officielle d'une date de sortie, parce qu'on sait qu'il est en phase, enfin, euh, pour moi il est fini, il y a une polishing, je les suspecte d'avoir traîné les pieds pendant un peu un an pour faire un portage console, mais ça c'est que de la pure spéculation de ma part. Euh, je, alors le mois, j'en sais rien, franchement le mois, j'en sais absolument rien, mais 2025 c'est sûr. Ça pourrait être pas déconnant, tu vois, je verrais bien, CitizenCon, annonce de date de sortie Squadron 42, une phase de campagne commerciale d'un trois petits mois, tu vois, histoire d'eux, et peut-être début d'année 2025, alors avril, je sais pas. Euh, avril, tu penses à l'avril par rapport, ou peut-être ça pourrait même dire en mai avec l'Invictus, mais ça me paraîtrait un peu tard. Euh, du coup, et puis voilà, enfin à peu près dans ce time-là, est-ce que derrière, ça voudrait dire qu'ils voudraient peut-être le reculer Si j'étais à leur place, stratégiquement, ce que je ferais, c'est de faire en sorte que Star Citizen soit prêt, euh, à minimum, peut-être avec une bêta juste derrière, pour... Euh, pour euh, surfer sur la vague et euh, renchaîner euh, des millions de joueurs euh, dans le tas. même si je pense que Star Citizen n'a pas spécialement besoin de ça avec le euh, du jeu. Là, je parle du jeu du parce qu'on parle de Star Citizen, on parle du projet, mais on parle aussi du jeu, hein, le... le jeu multijoueur. Euh... Euh, il pourrait surfer la vague là-dessus, mais bon, à voir, je sais pas. Euh, évidemment, pas rester focus sur un jeu en alpha. mais c'est un jeu qui se prête bien au stream. Oui, alors c'est un jeu qui se prête très bien au stream. Qui se prête très bien aux streamers, ça c'est sûr et certain. Et c'est aussi un jeu qui se prête très bien aux vidéos. On va être tout à fait franc et honnête. Prise hein. pourra vous le dire aussi. Hein. Ça nous emmerde vraiment quand CIG fait des pauses. Parce qu'en tant que créateur de contenu, moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Enfin, j'en vis pas. Hein. Mais euh, vous savez, quand par exemple vous-même vous faites une pause et vous avez un peu de mal à suivre le rythme, puis vous dites Ah, super, yes, je vais reprendre ma chaîne, je vais ressortir 2 trois vidéos, ça va permettre de remettre un peu l'ambiance sur ma chaîne et tout, et là... Et merde, c'est dit, ils sont en train de faire une pause. <laughs> merde, j'ai pas envie de sortir des vidéos, je peux pas en sortir. Et en fait, c'est un peu, on va dire, c'est facile et c'est pratique de sortir de la news sur SC. Si vous prenez un Inside Star Citizen, vous le regardez, vous le résumez. Alors évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je peux dire que ça se fait en éclatement de doigts. Mais c'est beaucoup plus pratique et, et facile de faire ce genre de news qui est un peu de la news, euh, je sais, pas de la news popcorn, mais de la news beaucoup plus simple, que d'aller faire une news un peu comme ce que peut faire Dayum, ou quand il va chercher de la spéculation, tout ça, etc. Où ça prend beaucoup plus de temps, il faut rechercher les infos et tout, comme ce que fait Sam SC, ou chercher au niveau du lore et tout. C'est pour ça qu'il n'en sortait pas beaucoup. Alors que quand vous sortez de la news pure sur Star Citizen, si vous suivez le rythme, même si vous vous focus là, là dessus hein, vous regardez par exemple un board gamer, euh, qui est un, un britannique qui sort pas mal de news sur Star Citizen. Des vidéos, vous pouvez presque en sortir une fois par jour. Hein. À part euh, lundi, mardi où c'est la pause, euh, des mercredis vous avez toujours une info. Lundi, vous pouvez même sortir une vidéo de l'or si vous le souhaitez. Jeudi, vous avez l'ISC. Le vendredi, vous avez le Star Citizen Live. Euh, vous avez toujours des trucs, des leaks qui partent à droite à gauche. Vous avez toujours des evos euh, euh, qui lâchent des infos. Vous avez toujours des petits trucs à côté, des C'est franchement, si vous voulez lancer une chaîne, Star Citizen c'est du pain béni. ne peut pas trouver mieux. Ça, n'y a pas photo. Il suffit de regarder. D'ailleurs, les, 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 sur ma chaîne YouTube, c'est ce qui marche le mieux en fait. Seulement, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, s'enfermer dans un truc, bah, moi, ça m'emmerde. <laughs> J'aime bien être à contre-courant, en fait. J'aime pas être fixé sur un truc. C'est pour ça que du coup j'aime bien euh, un petit peu élargir. Et je trouve que c'est plus enrichissant d'aller rencontrer des gens, etc. De faire des interviews et tout. Et quand j'ai commencé à faire un peu le, le tour de ma chaîne, tout ça, je me suis dit, au final. Euh... Bah, ouais, ce qui m'a fait changer aussi, c'est le fait que je me suis dit, euh, je vous le dis, hein, le jeu va se causaliser à mort. Il va y avoir de plus en plus de contenu dessus. Et c'est pas ma cam. Déjà, ça m'avait gavé à l'époque de Starfield. Quand je voyais les vidéos qui sortaient euh, du style Ouais euh, comment faire un max de thunes à ce moment-là, ouais euh, j'ai visité les mille planètes euh, euh, à l'envers en me masquant les yeux et j'ai réussi à tout débloquer, euh, j'ai torché le jeu en 3 minutes 45, faites aussi bien que moi, enfin tu vois. Secours quoi, c'est euh... bah, ça sur Star Citizen, vous allez y avoir droit aussi, hein, donc euh... C'est pas ma cam, quoi, ça m'a déjà dégonflé à l'époque sur, euh, sur Starfield. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que. Je, je crois d'ailleurs c'est peut-être ce qui m'a arrêté de sortir mon propre avis sur Starfield. Parce que j'avais dit que je le ferai je l'ai jamais sorti. Je crois pas que je le sortirai en final. J'ai pas envie spécialement de le sortir. Je sais pas. J'ai envie de laisser les gens se faire leur propre avis sur Starfield. Pas avoir un nénier ma vie sur le jeu. Euh, même si j'ai. Euh, je dois peut-être atteindre la centaine d'heures dessus. Je me dis, Starfield c'est un jeu qui se laisse euh, découvrir tranquille, pépère. Des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Moi j'ai rien une fois de temps en temps. Mais en tout cas, moi je m'éclate. Après, s'il y a des gens qui s'éclatent pas dessus, bah. je dire. C'est comme les chaînes YouTube. L'univers de l'entertainment est vaste. Et je choix, c'est pas ce qui manque. Voilà, donc du coup c'était un peu pour le mot de la fin. Euh, donc voilà, désolé un peu d'avoir digressé là-dessus, mais c'était important je pense de, de vous parler un petit peu de la suite. C'est ce que j'aurais voulu faire lundi, malheureusement tout le débat a tourné un peu sur autre chose et un peu, ça m'a un peu gonflé plutôt qu'autre chose. Euh, mais je pense que c'était important de vous tenir un peu au courant sur la, sur la suite et euh, j'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs j'en profite évidemment, forcément. Euh, si vous souhaitez me soutenir, bon, évidemment, forcément le follow, la ça, etc. Mais même plus que ça, si vous souhaitez vraiment soutenir la chaîne, d'ailleurs vous pouvez me retrouver. Hein, vous avez tous les réseaux sur le... euh, qui sont disponibles. Euh, je dois voir. Attendez, je vais vous mettre ça du coup. Euh... Parce que moi aussi, j'ai un petit, euh, j'ai beacon euh, qui, est, euh, qui est disponible sur lequel vous avez euh, euh, tous mes réseaux et tout. Euh, donc euh, vous avez l'embarras du choix si vous voulez. Euh... Euh, comment dire, euh, propager la bonne parole de la chaîne. J'aime pas dire ça, ça fait un peu sectaire. <laughs> tac, je vous mets le truc ici. Tac, 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 tac. et envoyez. Et euh, là-dessus, vous allez pouvoir me retrouver sur les différents, euh, sur les différents réseaux. Euh. Ah, du coup, si je vous l'affiche directement euh, à l'écran, pouette, pouette, pouette. Si on se met dessus, directement ici. Là, vous avez tous les réseaux. Vous voyez, vous, avez, vous, pouvez, vous pouvez me retrouver sur X, sur Facebook, etc. Donc, franchement, honnêtement, euh, si vraiment vous voulez aider la chaîne à fond, partagez. Partagez. Vous avez de quoi faire. Vous avez des podcasts. Parlez-en autour de vous par rapport au podcasts et tout. Euh, si vous voulez présenter la chaîne, vous dites, « Voilà, bah, tiens, si tu aimes bien la science-fiction, la fantasy et le fantastique, et que, tiens, ça te, ça te donne envie de découvrir l'univers du gaming et tout. » Ah justement, la chaîne est faite pour ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur les différents réseaux, partager toutes les infos, etc. Parce que c'est un peu vous, en fait. Euh... La Beacon, non, je pense que j'irai pas. Non, je j'ai envie un peu de lever le pied là-dessus sur toute la partie SC, tout ça, etc. Et puis bon, je sais pas si j'aurais spécialement le bien vu par rapport au dernier news que j'ai fait. Je vais me faire envoyer des tomates. <laughs> non, je sais pas, non, j'ai pas... Pour l'instant, j'ai un peu envie de... J'ai un peu envie de laisser euh... SC euh, tranquillement mûrir et tout. Et puis euh... j'ai tellement de choses à me concentrer par rapport à tout ce que je vous ai dit que... Euh, que j'aurais pas spécialement le temps en fait. Euh... Donc du coup, n'hésitez pas, ben, dans tous les cas, euh, à, à, à partager à la fois euh, les, les lives, tous, etc., les trucs autour de vous, euh, pour un peu euh, présenter la chaîne, et... parce que c'est vous qui êtes un peu êtes les portes d'étendard par rapport à ça. Et euh, je vous le dis, hein, plus il y aura de monde sur la chaîne, plus, euh, plus vous serez nombreux. Plus derrière, ce sera intéressant à la fois pour moi, effectivement, pour aller voir aussi des marques, pour leur dire, bah tiens, coucou, euh, est-ce que vous voulez pas me filer une clé Parce que bah, je peux faire découvrir ça dans le cadre de ma chaîne parce que du coup, il euh, bah, y a des gens qui peuvent être intéressés, ou même carrément aller voir des gens, et puis leur dire, bah tiens, est-ce que tu veux faire une interview Forcément, je ne vous le cache pas, il y a des gens qui vont m'accueillir à bras ouverts. et puis il y a certains gens, bah, évidemment, qui vont peut-être aussi se dire, eh, bien aussi avoir un peu de visibilité, et s'il n'y a que trois personnes, ça ne va pas marcher. Hein. On ne fait rien sans rien, en fait, dans la, dans la création de contenu, et euh, c'est vous qui portez un peu le, le porte-étendard de la chaîne, donc c'est grâce à vous euh, que je suis là aussi, que je partage tout ça. Il euh... y aura SR... <laughs> euh, c'est... <laughs> Euh, alors, déjà, il faudrait que je maîtrise mon anglais. <laughs> je suis une vraie temps, je suis une vraie quiche là-dessus. Euh, donc, euh, non, pas ça. ça, ça comment dire, c'est. Euh, euh... C'est non, c'est pas mon délire d'inventer. Chris Roberts, même si j'avoue que d'inviter un Chris Roberts, j'irais bien lui poser des tonnes de questions euh, au-delà de Star Citizen, euh, de tout ce qu'il a fait par rapport à ses, euh, ses inspirations, euh, euh, ses inspirations en fait, vous savez, euh, par rapport à Wing Commander, Freelancer et ainsi de suite. Ça serait plus ça, tu vois. J'aurais plus tendance à l'interroger, plus en tant que personne, par rapport à ses inspirations et euh, sa personnalité et, euh, et ce qu'il a envie. Euh, plutôt que de juste reposer euh, les mêmes questions, alors j'assure quand Star Citizen, un serveur machine, c'est prêt ou pas? Enfin, c'est bon, non, on a compris quoi. Euh... Lui tordre le cou et lui demander, <laughs> Non, mais ça, Alors ça moi j'ai l'habitude des, euh, des, des projets qui, euh, qui n'ont pas de date de, de sortie parce que quand j'étais, je l'avais peut-être déjà dit, euh, déjà lundi, euh, étant fan de Linux, étant jeune, il y a un projet euh, dans la communauté Linux qui s'appelle Debian et euh, l'un des euh, leitmotifs dans Debian c'est ça sortira quand ce sera prêt <laughs> et ça a toujours été leur leitmotif, ça a toujours très bien marché. Bon, une fois ça leur a porté préjudice, ils ont mis 4 ans à sortir un, à sortir un... À un système d'exploitation hein, pour rappel, hein. Debian c'est un. Nos piracines système que vous avez macOS ou euh, pour faire très simple, hein. ou comme Windows, euh, je ne pas trop rentrer dans les détails, mais, euh, mais du coup, euh, AT sur Arc, oui, bah voilà. Qui connaît Linux On va pas rentrer dans les détails de Linux, non. On va s'éloigner vraiment du sujet. Hein. Euh... Moi, je vous dis les, les débats que je vous préviens une fois par mois, c'est vraiment des débats de société liés autour du gaming, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, etc. L'objectif, c'est pas de vous parler de Linux. Alors, ce soir, on va apprendre à coder un noyau Linux. Vous allez voir, ça va être super fun. <laughs> non, non, ça va faire chier tout le monde. Il pas... y a des chaînes qui font ça très bien. Moi, c'est pas mon objectif. Moi, on reste dans les thématiques de l'imaginaire, mais parfois l'imaginaire aussi permet de. Comment dire de, euh, de s'interroger un peu sur notre société. Donc voilà, c'était un peu pour le mot de la fin. Sinon, je vais digresser pendant trois heures et papy va radoter. Et vous allez pouvoir mettre euh, dans le chat à frère. <laughs> Écoutez, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci à vous. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver dans tous les cas en replay. Chapitre 3, juste après la fin. Et maintenant, ce que je vais essayer de faire à partir de cette émission là, je vais essayer de vous la décomposer en trois ou quatre. Je vais peut-être faire l'actualité Star Citizen, euh, l'actualité Sci-Fi, et je vais peut-être vous faire la petite chronique sur, euh, sur, euh, sur Ghostbusters. Je vais essayer de vous faire trois, trois petits podcasts que je vais vous poster euh, sur le flux Podcast, sur Spotify, euh, pour que ce soit plus digeste à, à écouter plutôt que vous taper euh, euh, 2h40 de, de podcast. Donc, au, au passage, si vous souhaitez me soutenir sur Spotify, allez-y. Vous pouvez me trouver Masterfly Gaming, c'est. Euh... Voilà, ça fait partie du, du lien que vous avez vu avec le truc de la beacon. Voilà. J'arrête de radoter. Et je vous souhaite à tous euh, ben, un agréable week-end, prolongé ou pas pour ceux qui l'ont. Demain, c'est lundi de Pâques. Profitez-en. Vous n'avez pas trop de chocolat. C'est bon, euh, bon pour la santé, mais il faut quand même pas trop en abuser, c'est comme tout. Et euh, surtout, profitez bien de votre week-end prolongé pour ceux qui l'ont. Force à ceux qui reprennent le travail et qui bossent. Hein. Euh, on compte sur vous, dans tous les cas. Et, euh, et on se retrouve bientôt ben, pour euh, la suite des aventures. Semaine prochaine, ciao, ciao tout le monde